êtes peut-être un peu plus ancien que moi, je vous mets au défi de me dire que cette digue n'existait pas dans ces années-là. Elle existait, oui, pour casser les vagues et protéger en fait les reflux, sur la route. C'était exactement, en fait, tout au moins ce qui m'a été invoqué comme raison. Et je pense que vous êtes mal renseigné, monsieur Managou. Ah ben, écoutez, peut-être vous aussi, alors pour le coup. Hein. Bah, peut-être qu'on devait demander aux personnes de Lyon, demander aux personnes de Golfe-Juan, qui connaissent les lieux. Oui, voilà. Je pense les connaître moi aussi bien que vous, sinon plus. Néanmoins, le projet a quand même été porté par le département et les sous-traitants ou les entreprises qui ont été sélectionnées l'ont été aussi avec les rapports d'expertise et les rapports d'enquête qui ont été menés par le département avec le choix du département. Ouais. Donc arrêtez d'incriminer Madame Saluki qui naturellement a porté le projet naturellement dans sa vision mais pas dans sa conception. Ah bon ? Puisque le département est acteur sur le sujet. Donc le maire, en fait, il a des visions comme ça, il se lève le matin, il dit on va faire ça et puis après il n'intervient plus dans rien. Bah, il ne devait pas avoir beaucoup de travail, votre maire, alors. Parce que le travail d'un maire, je suis désolé, en tout cas, la façon dont moi je le conçois, hein, c'est de suivre tous les projets, du début jusqu'à la fin, alors en m'entourant, bien entendu, des compétences que moi je n'ai pas, parce que je n'ai pas prétention de tout connaître, de tout savoir et de tout faire. Vous dites la même chose que moi, alors. Un maire, quel qu'il soit, eh bien, il ne peut pas se contenter d'avoir une vision en disant « Tiens, un matin, je vais me lever, je vais mettre une base nautique à cet endroit » ou je vais mettre un aéroport un peu plus loin, ou je vais mettre un héliport sur le toit de la mairie. Je pense que le maire, il doit effectivement avoir d'abord une vision, mais aussi il doit avoir la capacité, avec les services compétents, hein, de se projeter et de pouvoir travailler avec chacun pour que les choses arrivent à bonne fin. Il est évident que si Mme Saluki se contentait d'avoir des visions, je comprends qu'on ait cette situation où on a des maîtres d'œuvre qui ne suivent pas les chantiers, où on a des bases nautiques qui sont cassées par les coups de mer, et où on en est, bien sûr, avec des retards qui sont considérables. J'ajoute une chose, parce que moi, dès que j'ai été élu au mois de juillet 2020, les travaux ont repris. Qui avait arrêté les travaux entre le mois de mars et le mois de juillet? À cette époque-là, je ne pense pas que j'étais encore maire de la commune, hein, sauf erreur de ma part, je peux me tromper. Mais en tout cas, pendant mars, avril, mai, juin, hein, on a eu 4 mois d'arrêt des travaux. Alors vous allez me dire, il y avait la Covid, bien sûr qu'il y avait la Covid, mais dans d'autres communes, eh bien... les travaux ont repris très rapidement. Effectivement, en mars, entre le 17 mars et début avril, rien n'a marché, hein, rien n'a fonctionné. Mais dès début avril, la plupart des chantiers ont repris, aussi bien les chantiers privés que les chantiers publics. Et nous sommes, je ne dirais pas la seule commune, parce que je n'ai pas les éléments en ce sens, mais en tout cas une des rares communes à avoir tout arrêté pendant 4 mois. Donc, ce qui justifie aussi une partie des retards. Et quant au département, le département... en réalité, vous vous trompez parce que le département n'est pas intervenu dans le marché. Certes, le département a participé au financement de la base nautique et on ne peut que s'en réjouir. Et du rapport d'enquête également. Peut-être à l'enquête, mais en tout cas pas dans le marché. Le marché, il a été du début jusqu'à la fin réalisé par les services en interne et donc sous la responsabilité du maire et de son équipe. Donc le département... Je ne me permettrai pas de parler pour eux, mais je pense qu'il ne faut pas incriminer le département. Ah, je ne les incrimine pas, mais ils ont fait leur boulot. Ah bah, s'ils ont fait leur boulot, ils ont fait leur boulot, mais ce n'était pas leur boulot cela ne vous que d'intervenir dans les marchés. C'est peut-être un compte, mais non, en attendant, ils ont fait leur travail. C'est pas que moi, ça ne me satisfait pas. Bah, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Monsieur Managou. Le boulot a mal été fait et vous portez tous sur l'ancienne mandature. Le boulot a été mal fait. J'en veux pour preuve que nous avons été obligés de faire de nombreuses mises en demeure pour du travail qui n'a pas été réalisé conformément au contrat qui a été passé. Excusez-moi, le contrat, c'est la loi des parties. On est bien d'accord. Or, si une des parties, hein, vous déléguez une mission de construction à une entreprise et que l'entreprise ne réalise pas correctement, ça veut dire tout simplement que cette entreprise a été défaillante et par conséquent, soit il y a une cause étrangère et dans ce cas-là, elle doit satisfaire aux critères de la force majeure, hein, imprévisibilité, extériorité et force supérieure, soit c'est que l'entreprise qui a été choisie n'a pas bien fait son travail. Et moi, je le dis. Je ne crains pas de le dire, cette entreprise n'a pas bien fait son travail. Lorsqu'il y a systématiquement des courriers, des rappels à l'ordre, des appels, les services techniques ont participé à de nombreuses réunions à la base nautique et ont fait des remarques sur les travaux qui n'étaient pas faits, qui avaient été promis et qui ne sont pas intervenus, ça veut dire qu'il y a eu un mauvais choix dans l'attribution de la maîtrise d'œuvre. Voilà. Après, on que je sache, ces marchés ont été passés dans le cadre des codes des marchés publics, donc avec des offres concurrentes, avec des critères de sélection sur ces marchés-là et de ces entreprises. Elles ont été sélectionnées en âme et conscience par la commission des appels d'offres, en supposant que les qualités et les compétences de l'entreprise étaient requises pour faire ce travail. Ben donc vous constatez que ces travaux n'ont pas été faits, en quoi Mme Saluki est en cause dans ce cas-là, quoi. Alors, Monsieur Manago, là aussi un petit peu, quoi. Monsieur Manago, soyez cohérent. Monsieur Manago, si on veut avoir une action efficace, une action publique efficace, il ne faut pas se contenter de supposer, il faut vérifier. Si vous êtes aux responsabilités et que vous ne vérifiez pas le travail qui est fait, est-ce que vous pensez que vous avez correctement rempli votre mission parce que vous avez supposé qu'un tel ou un tel était de bonne foi et qu'il avait bien travaillé? Non. Lorsque vous êtes aux responsabilités, vous devez assumer les responsabilités du début jusqu'à la fin. Et vous ne pouvez pas simplement vous contenter de supposer. Effectivement, si on a affaire à un contrat de quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros, on peut supposer, et il n'y a pas de conséquences graves. Lorsqu'il y a des contrats qui portent sur des millions d'euros, on ne peut pas se contenter de supposer. On doit vérifier, on doit contrôler, on doit s'assurer des références. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre argent que nous gérons, c'est l'argent de la collectivité. Et quand on a la responsabilité de l'argent de la collectivité, en tout cas c'est la façon dont mon équipe et moi-même nous fonctionnons, eh bien nous le suivons avec une vigilance absolue. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame le Duc. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je voulais revenir sur la dalle, vous avez parlé d'une étude. Est-ce que ce serait possible d'y accéder pour effectivement lever cette légende urbaine de problème de poids? Vous nous avez dit on va demander au service technique, hein. Moi j'ai simplement les références qu'ils m'ont données. D'accord, ce n'est pas une étude d'experts qui a été réalisée, c'est nos services qui ont réalisé... Vous pensez bien que dans nos services, on a des gens qui ont une expertise suffisante pour faire le travail correctement. Je ne mets pas leurs compétences en doute, vous avez parlé d'études, donc je pensais qu'il y avait une étude externe. D'accord, merci pour cette précision. Alors, il y a un ingénieur béton, me dit M. Giacomo Rosa, qui a travaillé pour les services techniques, qui a fait un certain nombre de sondages et qui a considéré que la dalle pouvait résister, comme je vous l'ai dit, à un certain poids pour mètre carré. Et c'est ce que nous avons... nous avons tenu compte, bien sûr, de cette prévision, de cette analyse, pas dire une précision, ce n'est pas une, cette analyse, et nous avons été bien sûr très prudents parce que nous nous sommes bien gardés de nous approcher de ce seuil qui a été fixé, toujours parce que nous avons le souci de la sécurité de nos concitoyens et le souci des infrastructures de la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Alors je veux quand même dire deux choses, hein, puisque dans ces décisions, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, je ne reviens pas sur les différents éléments, sauf sur deux. D'abord, sur l'accord cadre pour le reprofilage de la voirie. Hein, pendant plusieurs années, il n'y a eu absolument aucun entretien des voiries de la commune, qui sont pour certaines en état de déshérence totale, pour d'autres relativement abîmées. Cette année, ce sont près d'1 100 000 € qui ont été investis pour le reprofilage des voiries, ce qui va bien entendu permettre d'avoir une qualité accrue de vie, une qualité accrue de circulation. Vous avez pu constater également qu'un certain nombre de trottoirs qui n'étaient plus aux normes, qui n'étaient plus en conformité avec les besoins de la population ont été refaits. C'est le cas notamment dans les rues Auxelles, dans les rues Girard, qui sont des rues extrêmement passantes du centre-ville. S'agissant du reprofilage, beaucoup de quartiers qui se plaignaient d'avoir été délaissés pendant plusieurs années, eh bien, ont pu retrouver un semblant de civilisation, notamment à travers les nombreuses opérations qui ont été menées par les services techniques, avec plusieurs services, avec la Casa aussi qui est intervenue de concert avec nos services, et bien sûr avec ces travaux de reprofilage qui sont extrêmement importants. J'en veux pour preuve la réfection du grand boulevard de Supercannes, j'en veux pour preuve la réfection du chemin du Réténaou, la rue Alexandre Lousse qui était dans un état absolument abominable devant nos écoles Marie-Louise Gachon, les travers Girard-Auxelles que j'ai mentionnés, etc., etc. Tout ça, eh bien, c'est de l'investissement. Hein, on travaille pour l'avenir de notre commune, pour la qualité de vie de ses habitants. C'est une première chose. Et il y a une deuxième chose qui a été mise en œuvre, ce sont les travaux de l'école Daudet. Hein, l'année dernière, rien n'avait été fait. Les procédures d'appel d'offres n'avaient pas été passées, lors même que c'était un engagement qui datait de longue date de la précédente municipalité. Eh bien, cette année, nous avons pris toutes les mesures appropriées pour que les travaux commencent dès le début des vacances. Le premier jour des vacances, les entreprises seront sur place pour qu'on puisse offrir une qualité à nos écoliers, hein, une qualité d'enseignement, une qualité dans leur école, hein, qui me semble fondamentale. Hein. Ce sont les 340 000 € de travaux de l'école d'Audet. Hein. Là encore, hein, il y avait eu une incurie dans le passé. Progressivement, nous essayons de corriger, hein, toutes ces absurdités, tous ces manquements, toutes ces choses qui n'ont pas été faites. Eh bien, on en a un certain nombre d'exemples que je viens de citer. Alors, il n'y a pas de vote, bien entendu. C'est une prise d'acte sur les décisions. Donc, personne ne s'oppose à la prise d'acte. C'est parfait. Ordre du jour numéro 3, donc la donation avec charge au bénéfice de la commune. Là aussi, il y a une délibération qui est d'une grande importance et qui appelle, pour nous tous, je pense, une reconnaissance pour trois personnages importants de notre commune. Jean Marais, bien entendu, que nul n'ignore. Jean Marais qui a vécu de nombreuses années à Vallauris, qui a été un amoureux éperdu de notre commune, qui a participé à de très nombreuses manifestations. Hein. Je me rappelle, étant enfant, il a participé notamment à toutes les fêtes de la poterie, où on le voyait déjà très âgé, dans des journées de chaleur plus importantes encore qu'aujourd'hui, toujours disponible, toujours souriant. Jean Marais, vous le savez, s'en est allé il y a déjà plusieurs années. Ses légataires étaient Nini et Joseph Pasquali. Et Joe Pasquali et Nini Pasquali sont été, pour Nini malheureusement qui nous a quittés, et pour Joe qui est encore un personnage de notre commune, sont des amoureux, hein, des gens qui ont vraiment cet amour chevillé au cœur de leur commune. Et j'ai le plaisir, hein, de vous annoncer cette donation, parce que c'est un geste qui est absolument fabuleux. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Hein, donc monsieur Pasquali m'a contacté. Et il a proposé de faire une donation de 400 000 € à la commune, 400 000 € plus un certain nombre de pièces de Jean Marais, de Jean Cocteau qui sont données. Vous avez un dépôt sur table de la liste des pièces qui ont été faites données par M. Pasquali. Je tiens vraiment à lui rendre un hommage vibrant, parce que c'est la manifestation, comme je le disais, d'un amour, d'une vie qui a été passée dans notre ville, et d'un geste qui est vraiment rare. Hein. Des personnes de cette qualité, il n'y en a pas beaucoup. Vous le savez, M. Pasquali et Mme Pasquali avaient le musée Jean Marais. Ce musée avait été fermé par la précédente municipalité. Et M. Pasquali a souhaité que ce musée retrouve sa place au même endroit, dans sa galerie du Fournasse. Et donc, il nous fait don à la commune, hein, de la somme d'argent qui servira à racheter le local, d'une part, et d'autre part, il nous fait don de toutes les œuvres que vous avez là. Hein, la liste des œuvres, objets et documents en don date du 14 juin 2021, qui permettront d'aménager ce musée et d'en faire un vrai beau lieu du souvenir pour cet artiste incomparable qu'était Jean Marais. Un vrai beau lieu aussi, hein, de l'amour vibrant pour Vallauris Golfe-Juan que nous avons en partage, et qui permettra aussi d'être un élément majeur d'attractivité, hein, parce que Jean Marais demeure aujourd'hui encore, hein, malgré sa disparition et malgré le temps qui a un peu passé sur les mémoires, demeure un phare exceptionnel de la culture française, du cinéma mondial. Et je pense qu'avec ce musée qui sera, je l'espère, très bientôt rouvert, on a un vrai phare pour l'attractivité, pour l'image de Vallauris Golfe-Juan. Étant entendu que ce lieu, vous le connaissez, tout en bas de l'avenue Georges Clémenceau, hein, permettra aussi de favoriser les mouvements dans la ville, puisque c'est un quartier qui, au fil des années, s'était un peu éteint. Hein, désormais, avec cette réouverture, qui est un élément majeur pour la culture de notre ville, pour son attractivité, pour son tourisme, eh bien, on aura plus de circulation dans les rues, puisqu'on a un pôle qui est dynamique en haut de la ville, avec le marché qui a retrouvé sa place, avec notre église, avec le musée Magnelli, musée de la céramique, hein, beaucoup de choses qui sont en haut. Une place qui a été réaménagée et qui aussi redevient un pôle d'attractivité. Et maintenant, en mettant ce musée Jean Marais au bas de l'avenue Georges Clémenceau, eh bien, on va aussi retrouver, hein, un peu de dynamisme, un peu d'activité, un peu de mouvement. Hein, là où d'aucuns l'avaient enlevé, eh bien, nous le remettons. Et je tiens vraiment à appuyer, hein, avec beaucoup de verve, hein, cette opération, cette donation que je vous demande bien entendu d'accepter, hein, au nom de notre commune, hein, 400 000 € pour reconstituer ce musée Jean Marais, hein, pour l'image de notre ville, pour son rayonnement international, hein, avec une activité économique, touristique qui retrouve sa pleine mesure à Vallauris, en tout cas c'est ce que nous souhaitons. Madoura également va être un élément qui bientôt viendra compléter cette attractivité qui, là aussi, hein, ne sera pas au même endroit, donc on aura une circulation qui est accrue. Hein, tout ça, c'est très important. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Monsieur Bourgon. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je me réjouis comme vous tous ici de cette donation et du retour du musée de Jean Marais. Le patrimoine culturel de la ville est une pierre angulaire donc, du renouveau que nous souhaitons tous. Mais si nous voulons redynamiser cette ville, il va falloir passer par une communication au niveau de ses ambitions. Je prends par exemple donc, dans le col Saint-Antoine, carte par 3 qui est encore sur la Biennale 2019, et alors que nous sommes en 2021. Donc voilà, j'espère que vous prendrez au bras le corps cette communication qui nous servirait pour le dynamisme de notre commune. Merci. Écoutez, vous avez bien fait de nous le dire, hein, effectivement. Bah, il y a eu un dysfonctionnement. Ce panneau aurait dû être enlevé, en tout cas mis à jour. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, je pense que comparé au rayonnement et au dynamisme culturel que nous souhaitons tous, comparé à cette opération qui est véritablement, hein, une création ex nihilo d'un musée puisqu'il avait disparu, on est vraiment dans la poussière infinitésimale d'un panneau qui n'est pas à jour. C'est pas bien, j'en conviens. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas mettre sur un même plan ces deux choses, sauf à vouloir créer une petite polémique politicienne qui, à mon sens, n'a pas vraiment lieu d'être. Mais vous avez raison, hein, plus on communiquera et mieux on travaillera sur l'image de notre ville, et mieux ce sera. Et d'ailleurs, à ce propos, puisque vous me tendez la perche pour ce faire, hein, je tiens à dire qu'il y a un gros travail qui est fait. Je vais donner la parole au premier adjoint, puisque c'est lui qui se charge de cette opération, hein, notamment sur tout ce qui concerne la communication numérique de notre ville, aussi bien en ce qui concerne, à proprement parler, le site de la ville, que le site de l'Office du tourisme, que un beau projet dont il va vous dire quelques mots tout de suite. Alors, je reprends volontiers votre remarque portant sur la communication. Effectivement, la communication, c'est le nerf de la guerre, et on pêche un peu de ce côté-là depuis maintenant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous envisageons de mettre en place un portail numérique important qui regroupera non seulement une plateforme numérique dédiée entièrement à l'histoire de la céramique de Vallauris Golfe-Juan. Ça comportera un certain nombre de chapitres sur les artistes, sur l'événementiel, sur l'histoire de la terre à Vallauris, Golfe-Juan. Mais aussi, il y aura une place importante qui sera dédiée aux commerçants qui pourront être logés sur cette plateforme et leur permettre ainsi d'exposer leur production et même de les vendre. Bien sûr, sous certaines conditions, la condition express, bien entendu, de rester sur la commune de Vallauris Golfe-Juan et de continuer à exploiter soit un lieu de vente, soit un lieu de production. Ce portail numérique passera aussi évidemment par la refonte totale du site internet de la ville, qui est complètement à refaire parce qu'il est obsolète. Ça passera aussi par un lien avec évidemment Madoura, qui bientôt reverra le jour. D'ici 2 ans à peu près. C'est aussi un lien avec le château Picasso qui, à mon sens, n'est pas assez exploité aujourd'hui. Évidemment, ce portail numérique est destiné à revaloriser l'histoire de Vallauris, l'image de Vallauris Golfe-Juan, et de redonner une image de dynamisme et de savoir-faire, mais aussi, je l'ai oublié de le préciser, c'est un lien aussi évidemment avec l'Office du tourisme qui est important, puisque nous avons des atouts à vendre, beaucoup d'atouts à vendre sur la commune, puisque c'est une cité balnéaire, et puis nous possédons aussi le deuxième port de la Côte d'Azur. Donc voilà, c'est un portail numérique qui est chargé justement de valoriser et de transmettre une image positive de la ville. On en a cruellement manqué pendant de nombreuses années. Merci, monsieur le premier adjoint. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non. Madame Leduc? Oui, merci. Techniquement, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près comment se ventilent ces 400 000 €? J'imagine qu'il y a des travaux d'aménagement qui sont prévus, un coût d'achat du local et des travaux d'aménagement pour présenter au mieux le musée. Pardonnez-moi. Oui. Sur les travaux d'aménagement, il y en a assez peu parce que le local est en très bon état. Bon, il y aura effectivement un peu d'ameublement qui permettra de mettre en valeur certaines pièces. Maintenant, on a déjà pas mal de vitrines dans les stocks de la mairie ou du musée. Donc il y a assez peu d'aménagement. En revanche, le coût d'achat sera relativement élevé. Hein. Je pense qu'on sera à peu près de l'ordre de 400 000 €. Donc ce sera pour le coût d'achat du local qui ainsi appartiendra à la commune. Hein, on n'aura pas de loyer, on n'aura pas d'autres contraintes et on pourra tout simplement conserver ce musée. Donc comme je vous le dis, les services techniques sont déjà passés. On a eu plusieurs rencontres avec Erilia. Les aménagements, vraiment, ce sera assez peu de choses. Hein. L'essentiel, c'est bien entendu l'achat de ce local, qui est un local très important, hein, près de 300 m², avec une très grande surface vitrée, donc un hall d'exposition qui est absolument magnifique. Maintenant, en termes d'aménagement, à part un petit peu de sécurité et un peu de nettoiement, arrangement, un peu de blanc, il n'y a pas tellement d'aménagements qui sont requis. D'accord, c'est vraiment pour l'achat, en fait. C'est pour l'achat quasi exclusivement. Voilà. Merci. Voilà. Je précise une chose, hein, vous avez bien fait de m'interpeller sur cette question. En fait, c'est une donation, mais une donation bien sûr avec charge. Il ne s'agit pas de donner 400 000 € à la commune, il s'agit de donner 400 000 € en vue de la réalisation de ce projet hein, qui, pour différentes raisons, hein, notamment s'agissant de M. Pasquali, ce sont des raisons affectives, hein, sa profonde amitié. Hein, il y avait quasiment un lien filial entre Jean Marais, Nini et Joe Pasquali. Et bien entendu aussi pour la mémoire de sa femme, hein, que nous honorons aussi aujourd'hui, et qui est une des grandes figures, malheureusement, qui manque à la commune, puisqu'elle nous a quittés il y a quelque temps, hein, mais qui reste un personnage qui a vraiment beaucoup travaillé pour notre ville avec passion. Et je voulais ce soir leur rendre hommage à l'occasion de cette délibération qui, je le crois, ravira tous les Valoriens, tous les Golfe-Juanais et bien plus largement à tous les amoureux dans le monde de Jean Marais, de la culture, de la céramique. Voilà. Alors, il vous est demandé de bien vouloir m'autoriser d'abord à accepter cette donation de 400 000 € ainsi que les différentes œuvres hein, que vous avez en annexe. Il y avait une liste qui vous avait été fournie, mais elle n'était pas complète. Et donc a fait l'objet d'un dépôt sur table, une liste plus complète avec l'ensemble des œuvres qui ont été récupérées et qui, bien entendu, hein, très bientôt, en tout cas le plus rapidement possible, honoreront ce nouveau musée qui rouvrira ses portes dans les délais les plus brefs, en tout cas ce qu'on pourra faire de plus rapide, sachant bien sûr qu'il faut réaliser l'opération avec Erilia et qu'il y a un certain nombre d'obligations, notamment de mise en copropriété, parce que Erilia est propriétaire de l'ensemble immobilier et désormais il y a une copropriété qui va se constituer, donc ça prendra un petit peu de temps sur ce point-là, hein, mais on peut quand même espérer que bientôt, voire très bientôt, hein, cet été je l'espère, on ait ce musée qui rouvre ses portes et qui redevienne un catalyseur pour l'activité économique et culturelle de Vallauris Golfe-Juan. Donc je vous demande de bien vouloir m'autoriser à accepter cette donation avec charge puisqu'il s'agit de recréer la galerie telle que vous l'avez très certainement connue à son époque, dire que cette somme sera affectée au patrimoine communal et à l'usage que je viens d'énoncer, m'autoriser aussi à accepter la donation des différentes œuvres que vous avez en liste, et enfin dire que les dépenses et les recettes qui en résulteront seront inscrites au budget communal 2021. Hein, il y aura très certainement peut-être même une décision modificative, le cas échéant, si cela était nécessaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 4, c'est le soutien financier exceptionnel que nous souhaitons apporter à une association, et plus précisément à une petite fille hein, qui souffre hélas d'une maladie orpheline, Maëline Mirandon, hein, qui est une enfant de la commune. Et cette petite fille, qui est âgée maintenant de 2 ans, a une maladie génétique dont le diagnostic n'a pas été finalisé. Or, il existe des thérapies alternatives qui permettent évidemment d'améliorer sa situation. Et hélas, ces thérapies coûtent extrêmement cher. La famille n'a pas les moyens de les assumer en totalité, et donc elle a créé une association, Le Chemin de Maëline, pour pouvoir trouver des fonds pour réaliser ces thérapies. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, notamment à l'étranger, et bien entendu, ça génère un coût pour une famille qui est relativement modeste. Et donc, lorsque nous avons appris cette situation, nous avons bien entendu souhaité nous y associer, apporter notre pierre à l'édifice, apporter notre aide à ce projet qui consiste, pour ce qui nous concerne, puisque c'est sur ce terrain-là que nous allons intervenir, qui consiste à réaliser, non pas nous-mêmes, mais bien sûr par le biais de l'association, une ascension sur le Mont-Blanc au courant du mois de juillet. C'est Madame Gisèle Lafont, qui est une athlète de haut niveau, qui va faire cette ascension du Mont-Blanc afin de communiquer sur l'association Le Chemin de Maëline, afin de pouvoir récolter des fonds pour venir en aide à cette petite fille, hein, et également, le cas échéant, à d'autres enfants qui souffriraient de maladies du même type. Et bien sûr, hein, donc, aussi bien Madame l'adjointe aux affaires sociales que moi-même et l'ensemble de mon équipe, hein, nous avons été émus par la situation de cette famille, et nous avons reçu les parents, la petite fille aussi, qui est magnifique d'ailleurs, et c'est vraiment très triste de voir ça, et nous avons demandé comment nous pouvions contribuer à aider. L'idée, c'est de participer à travers un soutien exceptionnel, hein. On ne fait pas une subvention, en tout cas on ne fait pas une subvention directe, parce que déjà les demandes de subvention sont passées, donc ça aurait obligé à un certain nombre de modifications et d'aides budgétaires. Et donc l'idée, c'est de nous permettre, c'est ce que je vous demande en tout cas, hein, de nous permettre d'apporter ce soutien exceptionnel à travers soit le versement direct d'une somme à l'association, mais somme affectée à l'opération dont je viens de vous parler, cette fameuse ascension du Mont-Blanc, soit à payer une facture qui est liée directement à cet événement, qui s'appelle « Mais pas pour Maëline », et qui sera d'un montant maximum de 1 750 € TTC. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Approbation à l'unanimité, je vous en remercie. Et je pense que c'était important que notre conseil municipal soit unanime sur cette question. Bravo à tous, parce que ainsi on contribue vraiment à une cause, je pense, qui nous tient à cœur à chacune et à chacun d'entre nous. La 5e délibération, c'est la fameuse convention avec l'association Palmiers Sud, qui n'avait pas pu être passée lors du dernier conseil municipal, dans la mesure où il y avait eu, au dernier moment, à la demande de l'association, des modifications de la convention. Et donc, on a préféré la reporter aujourd'hui, puisqu'on a désormais une convention qui est parfaite, en tout cas qui a priori, satisfait les deux parties. Et maintenant, ce qui est important, c'est que vous nous autorisiez à signer cette convention. Alors je reprends en quelques mots, hein. Vous savez que les palmiers sont ravagés depuis un certain nombre d'années par deux espèces principalement, le charançon rouge et le papillon palmivore. Depuis une dizaine d'années à peu près, hein, ces prédateurs ont décimé des milliers de palmiers dans toute la France, en Espagne, en Italie, avec évidemment un préjudice très important, notamment pour nos communes méditerranéennes, aussi bien pour les particuliers que pour les personnes publiques. Et il s'avère nécessaire, à l'évidence, hein, de lutter contre ce fléau qui, faute d'une application effective, hein, faute de mesures qui sont prises relativement tôt, parce qu'une fois que le charançon a ravagé un arbre, après il n'y a plus grand-chose à faire, eh bien ces incuries ou ces développements, hein, entraînent bien entendu des problématiques de dispersion et de diffusion de ces prédateurs. Donc, nous avons décidé de nous rapprocher de l'association Palmiers Sud, l'idée étant de conventionner avec cette association afin de pouvoir favoriser pour les Valoriens et les Golfe-Juanais une inscription rapide et sécurisée à un programme de sauvegarde des palmiers sur le site de notre commune, et pour les administrés, bien entendu, hein, de pouvoir utiliser avec des coûts qui sont très faibles les moyens mis en œuvre par l'association. Donc en quelque sorte, on va mutualiser à travers l'association, hein, les différentes interventions, ce qui fait que pour un coût relativement modique, les particuliers vont pouvoir traiter très rapidement leurs arbres, plutôt que, comme c'est le cas malheureusement parfois, d'attendre parce que la somme est relativement élevée et qu'au moment où il y a une intervention, c'est trop tard et on ne peut plus sauver le sujet. Hein. Donc, en sa qualité d'adhérente à l'association, la commune pourra faire un certain nombre de choses, suivre les actions réalisées sur le territoire naturellement, utiliser le logo Palmiers Sud, utiliser des maquettes et des documents qui sont édités par l'association, solliciter l'association pour diverses choses, participer aux assemblées générales avec un droit de vote, etc., etc. Évidemment, il y a une contrepartie à cette convention. Pour la commune, il s'agit tout simplement de contribuer financièrement au fonctionnement de cette association à travers le paiement d'une adhésion annuelle de 500 €, ce qui va évidemment permettre après, bah, à chacun des Valoriens et Golfe-Juanais concernés, et à la commune aussi, de pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels dans le traitement des arbres qui sont concernés. Alors pour la première année, puisqu'on est déjà en milieu d'année quasiment, hein, on ne paiera que 250 €, et ensuite, eh bien, cette convention sera reconductible pour une durée d'une année civile par 2 fois au maximum. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Monsieur Manago. Si j'ai bien compris, donc, cette association a, disons, une compétence en matière de traitement pour les palmiers principalement, sur les différentes attaques et de nuisibles, et se permet également, parce que c'est sa compétence, de référencer un certain nombre d'entreprises qualifiées pour les traitements. Mm-hmm. La question est, est-ce que nous avons accès à ces entreprises référencées? Deuxième volet de la question, comment sont-elles choisies si elle devait intervenir sur la commune? Troisième volet de la question, comment s'applique le Code des marchés publics dans ce cadre? Alors le Code des marchés publics, si c'est au phénomène exceptionnel. Alors si nous avions des centaines de palmiers touchés et qu'il faille, ce que je ne souhaite pas, aller dans des montants extrêmement élevés, a priori le Code des marchés publics ne trouve pas à s'appliquer, hein, puisqu'on serait dans des interventions ponctuelles. Hein, il s'agit dès qu'on, enfin, il y a déjà un contrôle qui est fait de nos arbres réguliers. On a pu le constater notamment à travers la polémique la fausse polémique des platanes qui auraient été abattus pour notre bon plaisir. Il y a des contrôles qui sont faits très régulièrement des sujets arborés de notre commune, et on intervient rapidement, bien entendu, de sorte qu'on ne soit jamais dans des seuils qui peuvent intéresser le Code des marchés publics. C'est la première question. La deuxième question, alors ça c'est une question technique que vous me posez, effectivement il y a des entreprises où l'association fait intervenir directement. Sur le choix, j'ai des précisions qui me sont données par les services. Alors c'est principalement pour les particuliers, maintenant la commune peut aussi les utiliser, et là les particuliers, bah, eux, ils pourront suivre les conseils ou pas d'ailleurs de l'association. Maintenant, a priori, ils vont les suivre parce que ça va leur permettre, comme je l'ai dit, d'avoir des tarifs extrêmement intéressants. Hein, on parle de 60 € d'intervention, alors qu'en général, on est à plus de 200 €, voire 300 € sur ce genre de choses. En ce qui nous concerne, nous, communes, on se servira bien entendu de l'expertise de l'association parce que c'est un plus, mais nous avons aussi un marché en cours qui est un marché à bon de commande et avec une entreprise qui est bien entendu reconnue pour sa compétence et donc qui peut parfaitement travailler avec l'association dont question, hein, l'association Palmiers Sud. Est-ce que je réponds à vos 3 interrogations? Juste le choix des entreprises qualifiées. C'était une question aussi. Alors, sur le choix, comme je l'ai dit, le particulier, lui, bah, il fait son choix comme bon lui semble et on ne peut pas lui dire tu vas choisir un tel ou un tel. Pour notre part, on utilise la compétence de l'association elle-même et on va également utiliser notre marché à bon de commande qui est déjà présent pour le traitement des palmiers, mais également d'autres sujets. Donc là-dessus, on ne se situe pas dans la problématique d'un choix qui poserait difficulté. Concrètement, le particulier qui a un besoin de traitement contacte la mairie, l'association directement, ou fait référence à un point sur le site web, par exemple? Il peut contacter directement l'association. D'accord. Il peut contacter la mairie naturellement, et dans ce cas-là, on le met en contact avec l'association. Comment le particulier sera informé de cela? Il y a déjà une communication. On s'adresse à M. Fon pour la communication, c'est ça? Il y a une communication qui est prête, et dès qu'on aura signé la convention, si vous m'y autorisez, bien entendu, puisque je ne ferai jamais rien sans vous, si vous m'y autorisez, eh bien, le particulier sera mis au courant, notamment sur le site de la ville. On pourra également en parler dans le journal municipal et sur d'autres supports qui permettront évidemment d'avoir une communication la plus large et la plus efficiente possible. Voilà. Et bien sûr, je pense qu'il y aura des publications dans Nice Matin. Alors, je n'ai pas réfléchi précisément à la question, mais j'imagine bien qu'on fera des annonces comme on en fait parfois dans Nice Matin, voire même dans d'autres supports. Voilà. D'autres questions? Non? Pas d'intervention? Alors, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer la convention avec l'association Palmiers Sud, et je vous demande également de dire que les crédits y afférents seront inscrits aux budgets communaux correspondants. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Ordre du jour numéro 6, la participation aux voisins vigilants, puisqu'il y a une modification, une actualisation des protocoles. Je donne la parole à M. Bouzizi, l'adjoint à la sécurité. Merci, Monsieur le maire. Donc, délibération numéro 6, relative à une modification et actualisation du protocole voisin vigilant. Pour rappel, le 26 septembre 2014, le Conseil municipal avait approuvé l'adoption du dispositif voisin vigilant. Ce dispositif, qui est normalisé par une circulaire du ministère de l'Intérieur depuis 2011, a vocation à apporter une réponse complémentaire en matière de sécurité et de prévention de proximité. Ce dispositif s'appuie sur des quartiers ciblés, sur des personnes élues, que l'on appelle référents, sur des citoyens volontaires, donc des riverains, et le tout s'articule dans ce que l'on appelle une chaîne de vigilance. La commune souhaite créer de nouvelles chaînes de vigilance et réactualiser les différents protocoles afin d'offrir la garantie d'un suivi permanent par un élu désigné, par la police municipale, auprès des administrés des quartiers. Dans ce cadre, la commune prendra également à sa charge l'achat et la mise en place des signalétiques, donc les panneaux de signalisation indiquant les entrées de zone des quartiers concernés par les voisins vigilants. Le protocole annexé définit le cadre légal et le rôle de chacune des parties. L'actualisation des protocoles est nécessaire afin de relancer ce dispositif qui s'appelle désormais participation citoyenne, afin de lui donner une plus grande efficacité, une meilleure présence et un plus grand périmètre d'action sur le territoire communal. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le dispositif participation citoyenne et le protocole annexé à la présente délibération, autoriser Monsieur le maire à engager toutes les démarches et signer tous les documents relatifs à ce dispositif, et enfin, autoriser Monsieur le maire à signer les protocoles avec les différents référents tels que selon le protocole type annexé. Je vous remercie, Monsieur l'adjoint à la sécurité. Y a-t-il des personnes qui souhaitent intervenir? Monsieur Manago? Alors, Monsieur Manago a levé la main en premier, mais... Comment seront... Merci de me laisser de la parole, Cédric. Comment seront choisies les personnes référentes? Puisque j'ai lu dans le texte que c'était aussi bien des élus que des personnes civiles, citoyens de notre commune. Alors, les élus, ce n'est pas les élus de la majorité, c'est des personnes élues par leur père, D'accord. Des élus de quartier, alors, dans ces cas-là? Voilà, exactement. D'accord. Okay. Est-ce que c'est la mairie qui organise ce type de désignation de personnes référentes ou pas? Enfin, comment va fonctionner, en fait, la désignation des personnes référentes? Avez-vous des précisions à nous apporter là-dessus? Alors, le dispositif se mettra en place de quelle manière? Voilà. Alors, pour être plus concret et reformuler ma question. Alors, dans un premier temps, on a refait la police municipale avec un référent interne, un adjoint également, a refait l'existant. Voilà, ils ont regardé ce qui existait en termes de chaîne de vigilance. Sur la plupart des chaînes de vigilance, ce n'était pas actualisé depuis, 2016. Voilà. Donc ça datait d'un petit peu. Il y a un contact sur le terrain qui a été effectué avec les différents riverains et ça a été sur la base du volontariat. Voilà, tout simplement. Dans un premier temps, ça a été comme ça. Là-dessus, chaque chaîne de vigilance désigne elle-même son référent. Donc il y avait des référents existants au préalable. S'ils souhaitaient conserver leur rôle de référent et si ça ne posait problème à personne sur les quartiers, ils conservent leur poste. Sinon, ils se désignent eux-mêmes un nouveau référent. Voilà. Au niveau de la police municipale, c'est facile, ça a été désigné en interne. Au niveau des élus, bah, ça a été dit. Voilà. Et après, le reste de votre question, j'ai zappé, désolé. En clair, on a une vraie participation citoyenne puisque chacun va désigner ses représentants de la façon la plus transparente et démocratique possible. Moi, j'ai une question qui est peut-être en complémentarité avec Voisins Vigilants. C'est est-ce que les conseils de quartier vont être remis au goût du jour? Parce que ça peut travailler en complémentarité avec justement Voisins Vigilants. Alors, vous avez tout à fait raison, M. Bourgon, d'en parler. Là encore, hein, vous me tendez la perche, je vous en remercie. Bien entendu, les comités de quartier vont être remis en place le plus rapidement possible. Nous attendions, d'une part, que la crise sanitaire se termine. Nous attendions, enfin la crise, en tout cas les interdictions sanitaires les plus importantes qui empêchaient de se réunir ou de mener un certain nombre d'actions. Et là aussi, pour qu'on ne puisse pas me taxer d'utiliser ces comités de quartier à des fins de politique politicienne, donc j'ai attendu aussi que les élections départementales se terminent, hein, pour que ça puisse se faire de la façon la plus large et la plus consensuelle possible et qu'on ne puisse pas penser ou croire ou espérer pour les uns ou pour les autres utiliser ces comités de quartier à des fins de politique politicienne, parce que là-dessus, je tiens à le dire, hein, il ne s'agira pas de faire comme ça a pu être le cas par le passé où on avait des gens qui étaient là pour défendre telle ou telle obédience, telle ou telle personne, telle ou telle collectivité. Hein, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vraie participation citoyenne. Pourquoi? Parce que les comités de quartier ne sont utiles que s'ils font remonter les problèmes et s'ils permettent de les traiter d'une façon complètement transparente. Moi, je suis le maire de tous les Valoriens et tous les Golfe-Juanais, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Hein, lorsqu'on me soumet un problème, je ne vais pas savoir si la personne est de droite, de gauche, si elle habite Vallauris ou Golfe-Juan, si elle aime les frites ou le poisson. Hein, je traite tout le monde de la même façon. Et je pense que ces comités de quartier, une fois que les élections seront passées, ils pourront se réunir dans une sérénité totale et ils pourront travailler vraiment efficacement pour l'intérêt général, c'est-à-dire bien sûr le bien commun de nos concitoyens. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non? Il me semble que Mme Ferreira Barbosa avait levé la main, mais je ne la vois plus. Ah, elle vient de sortir. Bon, bon on va quand même passer peut-être au vote, parce que... Est-ce que quelqu'un peut demander si elle a pour longtemps? Voilà. On ne va peut-être pas la suivre là où elle ne peut pas aller, mais elle revient. Voilà, Madame Ferreira Barbosa, vous... la parole est à vous. Merci. J'aimerais savoir comment faire pour qu'un quartier puisse faire partie de ce dispositif. Il suffit qu'ils en formulent la demande, qu'il y ait une ou plusieurs personnes du quartier qui se réunissent et qui disent bah, « nous, on souhaite constituer un comité de quartier ». Et là, bah, bien entendu, on les soutiendra dans cette opération. Il n'y a pas de formalisme particulier. Évidemment, il faut qu'ils en avisent la mairie parce qu'il y a une nécessité de travailler avec notamment la police municipale, mais il n'y a pas du tout de formalisme qui est requis. Hein. Il suffit qu'il y ait deux ou plusieurs personnes qui commencent à se fédérer dans leur quartier et qui en fassent la demande. Et après, on analysera. Alors, évidemment, s'il existe déjà un comité dans le quartier, on va les renvoyer au comité existant pour qu'il y ait un travail en osmose qui se fasse entre les différents groupes. Maintenant, si on est dans un quartier où il n'y a personne, bah évidemment, nous, on se réjouira de cette initiative citoyenne et on soutiendra l'opération. En prévenant, bien entendu, pour que ce soit utile, il faut que tout le monde soit prévenu hein, pour que ça marche bien et que chacun puisse contribuer à la mesure de ce qu'il souhaite faire dans cette opération citoyenne. D'accord. Et j'avais une autre question, s'il vous plaît. Pourquoi vouloir changer le nom, enfin l'intitulé? Parce que c'est vrai qu'il a inscrit voisin vigilant. Alors parce qu'en fait... Et puis vous... Ah pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Et vous décidez de le nommer participation citoyenne. Alors en fait, on n'a pas changé le nom. Le nom officiel, c'est participation citoyenne. Or, tout le monde connaît ce dispositif sous le nom de voisin vigilant. Donc, on l'a mis dans la délib pour que chacun puisse bien comprendre de quoi on parle. Hein, mais en fait, ça s'appelle participation citoyenne. C'est vrai que voisin vigilant, c'est plus cohérent. Hein, maintenant, le nom officiel, c'est bien participation citoyenne. Voilà, donc on a mis les deux. Hein, on a le nom, on va dire, légal, entre guillemets, et on a le nom qui est connu du grand public, à savoir voisin vigilant. Voilà, c'est pas qu'on a changé le nom, hein, c'est qu'on a accolé les deux pour plus de clarté. Merci. Je vous en prie. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Donc, délibération numéro 7, labellisation Handiplage, convention de partenariat avec l'association Handiplage, l'avenant pour l'engagement des travaux et les conventions de formation professionnelle des handiplagistes. Si je puis me permettre, là, il y a une délibération dont je suis particulièrement fier, non pas à titre personnel, hein, mais au nom de toute mon équipe, au nom des associations aussi de personnes en situation de handicap, hein, que l'on associe bien sûr à cette opération. Nous avions dans notre commune une sorte de stigmate. Hein, on était un peu marqué au fer rouge puisqu'on était la seule commune du département balnéaire où il n'y avait pas de handiplage. Je trouve que c'est une faillite morale des personnes qui nous ont précédés aux responsabilités. Hein, au XXIe siècle, avoir des personnes qui, parce qu'elles ont hélas un handicap, ou parce qu'elles sont âgées, ou parce qu'elles ont des défaillances physiques passagères, ne pouvaient pas se rendre à la plage, n'étaient pas reçues comme de véritables citoyens. Je trouve ça absolument honteux. Hein, c'est pour ça que je le dis avec beaucoup de solennité. On avait vraiment une faillite morale de la précédente équipe, sur ce point-là, en tout cas. Dès que nous avons été élus, donc au mois de juillet, évidemment, il n'a pas été possible de constituer ex nihilo une handiplage, puisque, vous le voyez bien, à travers les documents qui vous sont présentés, hein, pour avoir une handiplage, il faut des équipements, il faut aussi une labellisation qui passe par une convention avec l'association Handiplage, il faut des travaux et il faut aussi, bien entendu, des handiplagistes, parce que même avec des équipements, hein, on ne peut pas dire à des gens bah, « maintenant, tu te débrouilles pour te mettre à l'eau et pour en sortir ». Et donc, bah, on a travaillé pendant cette année avec beaucoup d'élus, hein, Madame Jiménez, bien sûr, qui a la délégation au handicap, d'autres élus, Madame Cornardo, qui s'occupe plus précisément du bord de mer et des ports. Hein, et donc, on a monté cette opération, enfin cette convention, cette labellisation, en lien, bien entendu, étroit avec l'association Handiplage, parce que c'est une cause qui nous tient à cœur, vraiment. Hein, c'est quelque chose qui est fondamental. Je ne peux même pas concevoir hein, que l'on puisse dire à des gens bah, « toi, tu ne pourras pas profiter parce que, hélas, tu es handicapé ou tu as des difficultés, tu ne pourras pas profiter de la plage ». Et donc, nous avons monté ce projet. Vous le savez, hein, il y a un label Handiplage, donc label qui va naturellement apporter une information à la fois fiable et objective en ce qui concerne l'accessibilité des plages, en tenant compte de tous les types de handicaps et qui permet, bien entendu, d'abord d'offrir à nos concitoyens qui souffrent de ces difficultés, mais également aux touristes ou aux personnes extérieures, hein, les joies de la baignade. Donc ce label, il va permettre d'informer les usagers sur l'équipement du site et apporter une sécurité aux personnes en situation de handicap. Je précise, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ajoute, hein, tout le monde peut se retrouver en situation de handicap, permanent ou passager. Hein, j'en veux pour preuve des personnes qui peuvent avoir une jambe cassée, des personnes âgées qui peuvent avoir des problèmes de dos ou des problèmes de genoux et qui momentanément bah, se trouvent hélas privées des bienfaits de la natation qui, chacun le sait, est extrêmement profitable pour la santé des personnes et pour leur agrément également. Donc cette association Handiplage, elle délivre des labels hein, et elle se charge de faire la promotion des plages qui sont labellisées sur son site, dans des revues spécialisées, des salons, etc., etc. En ce qui concerne la saison 2021, donc celle qui s'ouvre aujourd'hui, nous nous engageons, nous communes, à équiper la plage du Soleil, hein, parce que c'est celle qui est la plus commode d'accès. Vous savez, il y a le parking juste à côté avec la rampe déjà, donc les personnes peuvent arriver sur le sable sans la moindre difficulté, en tout cas avec des difficultés qui sont limitées. Nous nous engageons donc à équiper cette plage pour atteindre le niveau 3 sur une échelle qui va jusqu'à 4, donc on est déjà non pas dans la perfection, mais déjà dans l'excellence, hein, en termes de situation pour les personnes à mobilité réduite et personnes souffrant d'autres handicaps. En ce qui concerne cette labellisation, eh bien, naturellement, il y a un certain nombre d'exigences à mettre en place. Donc d'abord, l'installation d'un tapis d'accès à la plage et d'une plateforme d'accueil, l'installation d'une cabine vestiaire accessible aux personnes à mobilité réduite. Samedi, nous avons fait une pré-inauguration de cette Handiplage à l'occasion de la tournée de voile du département qui, pour la première fois de l'histoire de notre commune, venait sur le site de Golfe-Juan. Hélas, cette cabine vestiaire n'avait pas encore été livrée. Elle va arriver dans les jours qui viennent. Et bien entendu, pour le début, le 1er juillet, de l'accueil des personnes à mobilité réduite, tout sera en place avec un confort de haut niveau. Ce n'est pas encore parfait. On espère très bientôt atteindre le niveau 4. Pour l'instant, on sera déjà au 3. Donc, tapis d'accès, cabine vestiaire équipée pour permettre à chacun, selon les handicaps dont il souffre, de pouvoir se vêtir, se dévêtir dans des conditions à la fois dignes et confortables. Installation d'un flexible de douche qui s'adapte à la douche existante et qui permet une utilisation par les personnes à mobilité réduite. L'installation d'un poste de secours à proximité de l'Handiplage. Là, vous avez peut-être pu le voir, ils seront accolés l'un à l'autre, et ainsi les pompiers, en cas de difficulté, pourront intervenir tout de suite pour favoriser la sécurité de nos personnes en situation de handicap. Et là aussi, il y a deux choses qui s'ajoutent. La formation des 2 handiplagistes pour l'accueil et l'accompagnement pour la baignade. En réalité, nous avons 4 handiplagistes qui, pendant l'été, seront en permanence sur site, par roulement de 2, hein, pour pouvoir aider à la fois à la mise à l'eau des personnes, à la baignade des personnes qui le nécessitent et à leur sortie de l'eau dans la mesure des besoins de chacun. Enfin, j'ajoute qu'il y a mise à disposition d'un fauteuil amphibie, hein, ce qu'on appelle un tir à l'eau, pour la baignade des personnes à mobilité réduite. Et à ce titre, je tiens à remercier le Lions Club de Vallauris Golfe-Juan, notamment son président Alain Damiani, les membres du bureau, qui ont offert à la commune, et nous leur en sommes très reconnaissants, qui a offert ce fauteuil tir à l'eau, hein, qui lui aussi va permettre de s'inscrire dans ce dispositif pour offrir à la fois de la qualité de vie, de l'humanité vis-à-vis de personnes qui, hélas, jusqu'à présent, en tout cas pour ce qui concerne nos plages, en étaient privées. Donc ces différents éléments, naturellement, sont soumis au dépôt d'un dossier et à la signature d'une convention. C'est celle que vous avez en pièce jointe dans ce dossier, afin que notre Handiplage soit labellisé pour une durée de 5 ans. Donc la convention est renouvelable, bien entendu, et le coût de la labellisation est modique, 260 € TTC par période de 5 ans. Donc il est également nécessaire de formaliser, en complément de cette convention, par voie d'avenant, un engagement de la commune à mettre en place un certain nombre, enfin à réaliser plutôt, pardonnez-moi, un certain nombre de travaux que la commune va faire au plus vite. Certains sont déjà réalisés, d'autres vont l'être dans les jours qui viennent, afin de pouvoir bénéficier de ce label. L'ensemble des frais d'aménagement est estimé environ à 20 000 €, hein, donc ça ne coûte pas très cher. Et quand on voit l'importance à la fois concrète et symbolique que cela représente pour nos personnes âgées ou nos personnes en situation de handicap, hein, je pense que ce n'est pas grand-chose, et on peut d'autant plus se poser la question pourquoi ça n'a jamais été fait avant. Enfin, donc, il y a bien sûr une formation professionnelle qui est assurée aux handiplagistes, hein. Il ne s'agit pas de mettre des gens inexpérimentés et sans formation auprès d'un public qui est relativement exigeant dans ses besoins. Et donc, eh bien, il y aura une formation des agents qui sont sur ce site qui sera prise en compte, évidemment, pour les 4 agents dédiés et qui coûte 150 € par agent. Ce qui vous est demandé, c'est d'abord, bien sûr, d'approuver la demande de labellisation Handiplage auprès de l'association Handiplage, de m'autoriser à signer la convention de partenariat avec cette association Handiplage pour labelliser la plage du Soleil sur une durée de 5 ans, de m'autoriser également à signer l'avenant d'engagement des travaux. Il vous est demandé de m'autoriser aussi, par ailleurs, à signer tous les documents et les futurs avenants à la dite convention qui pourraient naturellement évoluer en fonction des besoins, en fonction des modifications ou des améliorations que requiert la situation. Il vous est demandé enfin de m'autoriser à signer cette convention de formation professionnelle des handiplagistes et enfin de dire que l'ensemble des dépenses afférentes seront inscrites aux budgets communaux correspondants. Y a-t-il un désir de prise de parole, Monsieur Manago? Oui, merci. Nous approuvons bien sûr ce type d'initiative, en effet, et sur le principe de la labellisation avec Handiplage et de bon augure, bien entendu, et nous nous inscrivons parfaitement en vrai dans cette approbation. Nous votons pour, évidemment. Néanmoins, l'accès aux plages et aux baignades s'ouvre également au-delà de toute personne à mobilité réduite, mais également à toute personne qui aurait des différences de ce que l'on appelle communément la normalité. Donc ça, c'est également vrai. Pour répondre peut-être éventuellement à une de vos questions, c'est pour quelles raisons certaines villes n'ont pas été équipées, parce que la mise aux normes d'un certain nombre, disons, de mesures ont forcé les industriels à réfléchir et à concevoir des équipements qui soient réellement compatibles à toute forme de handicap. C'est la raison pour laquelle, disons, la R&D dans ce domaine-là a pris un certain temps. Et aujourd'hui, en effet, nous avons la possibilité, et je peux en parler puisque vous connaissez mes activités au-delà de la partie de conseiller municipal, les industriels ont réussi à trouver en fait des solutions aujourd'hui qui permettent en fait d'installer ces équipements pratiquement sur toutes les plages du monde. Donc là, merci pour eux et merci à tous ceux qui nous aident. Néanmoins, bien que nous approuvions en fait sur le principe cette labellisation, sur un aspect purement technique et, j'oserais dire, politique, nous nous interrogeons néanmoins sur la date de l'événement, qui est une bonne chose au demeurant, sur l'inauguration de la plage Handiplage de Golfe-Juan, qui s'est déroulée samedi dernier. Bon, manque de chance, samedi dernier, nous étions le 12 juin, et nous sommes cependant très très proches des élections départementales, puisque les départements étaient impliqués. Et la question que nous nous posions, et nous l'avons posée par écrit à l'autorité préfectorale, pour savoir si cet événement ne portait pas, disons, en faveur le candidat Kevin Luciano. Donc nous avons fait un écrit et nous nous interrogeons naturellement sur le sujet. Nous n'avons pas encore la réponse et nous l'attendons. Mais je tenais à vous le signaler au sein de ce conseil. Vous avez bien fait, M. Manago. Il faut se faire plaisir dans la vie, vous avez raison. Alors je vais vous répondre là-dessus parce que ça vous a peut-être échappé, mais je ne suis pas élu au département. Pas encore peut-être, hein, ça c'est les électeurs qui le décideront. Or, cette inauguration n'en était pas vraiment, c'est une pré-inauguration, puisque tout n'était pas complètement en place. Et pourquoi est-ce que nous avons fait cette pré-inauguration ce jour-là? Parce que le département a, dans le cadre du plan de voile, proposé cette date pour la venue sur le site de Golfe-Juan. Or, comme je viens de le dire, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas élu au département. Donc je n'ai pas pouvoir pour dire, et quand bien même je serais élu d'ailleurs, je ne pense pas que j'aurais ce pouvoir, je n'ai pas le pouvoir d'exiger du département une date ou une autre. Hein. Si le département a proposé à ce que Golfe-Juan soit placé le 12 juin, je ne m'attribue pas des pouvoirs que je n'ai pas. Je ne pense pas avoir ni sur M. Ciotti ni sur M. Ginési une autorité qui fasse qu'ils m'obéissent au doigt et à l'œil si je leur demande une date précise. Donc là-dessus, bon, vous avez envie de faire des recours, c'est très bien, pourquoi pas. Maintenant, comme je le dis, pourquoi avoir fait cette pré-inauguration ce jour-là? Tout simplement parce qu'on avait le bénéfice de la handivoile du département qui nous a fait, non pas pour moi, le plaisir de venir, mais pour les personnes de notre commune qui sont en situation de handicap et qui ont besoin, je pense, en tout cas, il est souhaitable que ces personnes puissent profiter aussi des bienfaits de la mer, de la voile, de la baignade. Donc je trouve que c'est un peu, mais bon, personne ne s'en étonnera sans doute, c'est un peu une attaque, on va dire, malhonnête. Mais peu importe, c'est votre droit de toute façon. Libre à vous d'écrire au préfet pour faire ce genre d'argutie, à mon avis, assez minable par rapport à l'importance des enjeux. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, je pense, moi, personnellement, je ne rêve pas tous les matins d'être élu au département. Je ne rêve pas non plus d'y rester, puisque je n'y ai pas été, contrairement à d'autres, qui ne daignent pas représenter leurs électeurs en conseil municipal, mais qui n'ont pas honte de revenir devant eux pour solliciter rémunération, avantages et postes. Et ça, c'est leur affaire. Si la dignité ne les étouffe pas, c'est leur problème. Mais je pense que là-dessus, moi, ce qui m'importe, vraiment, je vous le dis les yeux dans les yeux, monsieur Manago, vous ne croirez peut-être pas, mais peu importe, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui m'importe, moi, c'est que notre ville, elle avance. C'est que des personnes qui sont en situation de handicap, elles aient un peu de mieux être, de mieux vivre dans leur existence. Et ce n'est pas de savoir s'il y a une manifestation qui tombe le 12 juin ou le 14 mai ou le 3 septembre. C'est vraiment de pouvoir, en concertation avec les autres, puisque en l'occurrence, c'est le département qui est décisionnaire en la matière, c'est d'avoir pu apporter un peu de bonheur à ces adultes, à ces enfants, hein, qui malheureusement n'ont pas été épargnés par la vie et qui, à cette occasion, ont pu avoir un jour de plaisir. Et il m'importe assez peu de savoir, je vous le redis, que ce soit le 12 juin ou une autre date, hein, je n'ai absolument pas calculé comme ça. Alors, bon, ça vous vient à l'esprit, peut-être que c'est votre mode de pensée, il n'y a rien à redire là-dessus, quelque part. Hein, mais moi, je vous le redis, je n'ai pas du tout ce genre de préoccupation en tête. Voilà. Je ne rêve pas d'être au département. Moi, ce dont je rêve, c'est que ma ville, elle avance. C'est que les gens vivent mieux dans cette ville. Et depuis un an, c'est le cas. En tout cas, c'est ce que semble dire une majorité de gens. Hein, je pense qu'on a fait énormément de choses à tous les niveaux. La Handiplage, par exemple, c'en est un exemple. Hein, parce que dans le passé, on ne se préoccupait pas de ces personnes. Alors vous avez beau nous dire que les industriels ont trouvé de nouvelles techniques, bien entendu, hein, dans tous les domaines, il y a des avancées technologiques qui sont tout à fait salutaires. Maintenant, je ne pense pas que ce sont les problèmes industriels qui ont fait que Vallauris Golfe-Juan, enfin que Golfe-Juan en l'occurrence, était la seule plage du département où les handicapés n'avaient pas de plage. N'avaient pas de plage dédiée, n'avaient pas de plage qui leur permettait de profiter de la baignade. C'est une argutie qui est plus que facile, c'est une argutie qui me semble malhonnête, je vous le dis sans état d'âme mais avec beaucoup de conviction. Et quelque part, ce genre de recours ne me perturbe pas, puisque vous en faites état, parce que c'est d'un niveau tellement bas que ça ne me semble pas à la hauteur des enjeux de ce qu'on peut débattre, et notamment d'une délibération comme ça. Voilà, que vous en ayez parlé au début du conseil municipal, bon, pourquoi pas. Mais je trouve que sur ce genre de sujet, venir à de la basse polémique politicienne, c'est malheureusement assez triste, et vous êtes le seul à le faire d'ailleurs, puisque d'autres, dans les autres groupes, et certains sont candidats aussi, hein, ne sont pas allés dans ce genre de bassesse, de médiocrité. Bon, peu importe finalement, hein, comme je vous dis, eh ben, c'est très bien, on verra ce que dira l'autorité préfectorale. En tout cas, quoi qu'il en soit et quoi qu'elle puisse dire, moi ce qui m'importe, c'est que les personnes en situation de handicap dans notre ville vivent mieux, c'est qu'elles soient enfin regardées comme des personnes pleines de dignité, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il y avait certaines personnes qui faisaient commerce, notamment des personnes handicapées, mais qui n'ont absolument pas daigné faire pour eux quelque chose, que ce soit en termes d'accessibilité, que ce soit en termes de baignade, que ce soit en termes d'aide. Voilà. Bon. Après, chacun est avec sa conscience. Personnellement, je suis en paix avec la mienne. Si d'autres le sont avec la leur, tant mieux pour eux, monsieur Manago. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou demandes de parole? Non? Alors, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Délibération numéro 8. Puisqu'il s'agit de comptabilité, je donne la parole à madame l'adjointe aux finances. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, délibération numéro 8. Comptabilité du trésorier municipal, demande de remise gracieuse. Par jugement en date du 17 mars 2020, la Chambre régionale des comptes a mis en jeu la responsabilité de M. Saulnier et l'a constitué débiteur des deniers de la commune au titre de 7 charges portant sur les exercices 2014 à 2016. La ville de Vallauris Golfe-Juan est aujourd'hui sollicitée par la Direction régionale des finances publiques pour donner son avis quant à la demande de remise gracieuse de M. Saulnier, ancien trésorier municipal. Cette demande de remise gracieuse vise 4 points, dont le montant s'établit à un total de 22 684,37 euros et concerne le paiement d'indemnités spécifiques à certains agents. Le jugement de la Chambre établit que le paiement de primes et indemnités nécessite la production à l'appui du mandat d'une décision de l'Assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités. Or, le comptable en poste a transmis à l'appui des mandats une délibération du 24 juillet 2003 qui n'était pas suffisamment détaillée. La ville de Vallauris Golfe-Juan a précisé dans un courrier du 11 mars 2019, adressé à la Chambre régionale des comptes, que le versement de ces sommes ayant fait l'objet d'une décision de l'ordonnateur ne constituait pas un préjudice financier pour la collectivité. La Ville estime ainsi ne pas avoir subi de préjudice réel de la part du comptable, public en exercice. Il est donc proposé d'émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse de M. Saulnier en adoptant la délibération proposée. Je vous rends la parole, M. Maire. Je vous remercie, Mme Bertagna. Y a-t-il des personnes qui souhaitent intervenir? Non. Nous passons au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 9. Et je redonne immédiatement la parole à Mme Bertagnan. Présentation du compte de gestion 2020. Monsieur le trésorier municipal a communiqué le compte de gestion 2020 du budget principal afin que le conseil municipal puisse procéder à son examen et formuler le cas échéant toute observation ou réserve jugée utile. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de l'exécution du budget de l'exercice 2020 et arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires pour un résultat de clôture de 12 904 145,22 euros et de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par Monsieur le trésorier municipal n'appelle ni observation ni réserve. Je vous remercie, Madame l'adjointe aux finances. Je tiens simplement à souligner un point, hein, c'est l'excellente qualité de ce compte de gestion, hein, l'excellente manifestation de la gestion de notre équipe, hein, puisque de façon historique, notre commune n'a jamais dans son histoire, au cours des décennies passées, au cours des siècles passés sans doute également, on n'a jamais eu un tel excédent, hein, puisque au terme de l'exercice budgétaire de 2020, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est monsieur le trésorier principal, hein, qui a communiqué ce chiffre, donc je ne pense pas que quiconque puisse douter de l'impartialité de ce haut fonctionnaire. Il y a près de 13 millions d'euros d'excédents, hein, qui sont la preuve d'une excellente gestion de notre part. Je veux d'ailleurs saluer Madame l'adjointe aux finances, hein, qui a travaillé sur le budget 2020 et sur ses suites. Hein, 12 904 145 euros pour être précis, à savoir 7 466 147 euros d'excédents sur la section investissement et plus de 5 437 997 euros sur la section fonctionnement. Ça veut dire qu'on a fait des économies d'une part et d'autre part, au niveau de l'investissement, eh bien, on a réussi à avoir des excédents qui sont tout simplement exceptionnels. Et là, j'insiste sur ce point, hein, qui est un peu technique, non pas pour vous tous, puisque vous connaissez, mes chers collègues, les exigences et les arcanes des budgets, mais pour les personnes qui nous regardent, hein, le compte de gestion, il n'est pas réalisé par la mairie, il n'est pas réalisé par les services. Le compte de gestion, c'est la traduction comptable des données qui sont données par monsieur le trésorier municipal, enfin, non municipal d'ailleurs, c'est ce qu'on écrit sur le document, hein, qui est un fonctionnaire indépendant. Et donc, je ne pense pas que quiconque puisse contester les chiffres qui vous sont donnés. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Donc, c'est une prise d'acte, hein, on ne vote pas. Personne n'a rien à redire sur ces chiffres, donc nous déclarons que le compte de gestion n'appelle ni observation ni réserve et que les documents qui ont été fournis par monsieur le trésorier, hein, sont validés par, enfin, reconnus en tout cas par cette assemblée. Ordre du jour numéro 10, c'est l'approbation du compte administratif budget 2020, hein, principal, et je redonne bien entendu la parole à Madame Bertagnan. Approbation du compte administratif 2020, budget principal. Le compte de gestion 2020 du budget principal ayant été préalablement présenté, le compte administratif 2020 du budget principal peut être soumis à l'approbation du Conseil municipal. Les résultats issus du compte administratif 2020 sont strictement concordants avec les résultats du compte de gestion 2020 et comme nous l'avons vu, il faut apparaître un résultat global de clôture de 12 904 145,22 euros. Concernant la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement en recettes réelles s'élèvent à 48 676 k€. Elles sont composées des produits et taxes pour 34 024 k€, soit une augmentation de 741 000 par rapport à 2009, qui porte essentiellement sur la taxe d'habitation et la taxe foncière, ainsi que les droits de mutation. Composées également des dotations de subventions et participations pour 4 461 k€. La diminution de 638 €, par rapport à 2009 s'explique principalement par le décalage du paiement de la CAF. Donc le quatrième trimestre 2020 sera versé en 2021. Les recettes sont également composées des produits des services du domaine pour 1895 €. Ces produits étant constitués des redevances perçues au titre des services et de l'occupation du domaine public. Ils ont été fortement impactés par la crise sanitaire, notamment la fermeture des établissements à caractère culturel, sportif, loisirs et social, et ainsi que la gratuité du stationnement. Les autres produits de gestion courante et les annulations de charges s'élèvent à 1627 €. Le montant est plus faible que l'an passé en raison du montant qui était inscrit en 2019 pour 2637 €, et concernait la reprise de l'excédent du budget assainissement. Les produits financiers s'élèvent à 484 000 €, idem que l'année précédente. Ils sont formés par le remboursement du fonds de soutien pour les crédits structurés. Les produits exceptionnels s'élèvent à 6 185 €. Donc ce montant très important en 2020 comprend notamment le produit de la cession d'une partie des parts de la SAH pour 5 972 €. Et cette recette de fonctionnement est reversée à la section d'investissement par la passation d'écriture d'ordre et servira donc uniquement à financer de l'investissement. Concernant les dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent à un montant réel de 39 783 €. Les charges à caractère général s'élèvent à 6 845 €. La forte diminution sur l'exercice 2020 est liée aux conséquences de la crise sanitaire et concerne notamment les contrats de prestation de services, moins 590 000 € par rapport à 2019, relatifs à la restauration. Une diminution de moins 435 000 € sur les fêtes, cérémonies, foires et expositions, et la communication correspondante pour moins 137 000 €. Les charges de personnel, 24 587 €. L'augmentation s'explique en partie par le versement aux agents d'une prime exceptionnelle, dite prime Covid, à hauteur de 232 000 €. Les atténuations de produits s'élèvent à 1559 €, dont l'augmentation de 269 000 € s'explique par l'augmentation des pénalités au titre de la loi SRU. Les autres charges de gestion courante, 4 254 €. La principale augmentation concerne les participations versées à d'autres communes pour les enfants scolarisés hors Vallauris Golfe-Juan, soit plus 146 000 par rapport à 2019. Les charges financières, 1634 €. La ville poursuit son désendettement et les frais financiers sont donc en diminution de moins 62 000 par rapport à 2019. Les charges exceptionnelles, 904 000 €. Alors l'augmentation s'explique principalement par le reversement à la Casa de 387 000 suite au transfert de la compétence assainissement et la dissolution du budget annexe correspondant. Cependant, cette charge est neutralisée par la réintégration en recettes d'un montant équivalent. Concernant la section d'investissement, les recettes d'investissement s'élève à un total de recettes réelles de 7 555 €, soit des subventions d'investissement pour 1123 €, les dotations fonds divers pour 1282 €, les emprunts 3000 €. Donc la ville a pu recourir en 2020 à des prêts à taux fixe historiquement bas, 0,76% sur 20 ans et 0,63% sur 15 ans. Le remboursement, par ailleurs, des contrats à taux plus élevés fait baisser le taux moyen de l'encours de la dette de la ville de 3% fin 2019 à 2,84% fin 2020. Les dépôts et cautionnements reçus, 2139 €. Donc ce montant comprend 2067 € d'avance sur la cession des parts de la SAH prévue sur 2021. Les opérations pour compte de tiers, 11 €. Concernant les dépenses d'investissement, les immobilisations en cours s'élèvent à 4646 €. Donc les principales dépenses sont la requalification du bas de l'avenue Clémenceau pour 870 000, la base nautique et plage pour 795 000, la part d'investissement du PPP pour 770 €, les travaux de voirie, signalisation, mur de soutènement pour 741 000, sécurisation du plan de l'Aube 582 et travaux dans les bâtiments communaux pour 435 €, pour les travaux les plus importants. Les immobilisations corporelles, 523 €. Dont 119 d'acquisition immobilière et 132 de matériel informatique. Les immobilisations incorporelles s'élèvent à 193 €, et ce poste comprend essentiellement 158 000 de dépenses informatiques. Les subventions d'équipement versées s'élèvent à 28 €. Les dotations fonds divers et réserves, 2004 €. Donc la variation importante par rapport à 2019 est liée à la dissolution du budget annexe assainissement, pour un montant de 1 906 k€, avant transfert à la Casa. Opération pour les comptes de tiers, 9 k€. L'encours de la dette. Au 31 décembre 2020, l'encours de dette s'élève à 53,2 millions d'euros, dont 3,2 au titre du PPP. Cet encours était de 53,8 au 31 décembre 2019, soit un désendettement de 600 000 €. Il convient de soustraire à cet encours le solde à percevoir de l'État au titre du Fonds de soutien pour les crédits structurés d'un montant de 3,9 millions d'euros. Alors, petit point également sur les dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire. Pour faire face à la crise sanitaire et assurer la continuité du service public, la Ville a dû réaliser un certain nombre de dépenses, tant en fonctionnement qu'investissement. Sur l'exercice 2020, ces dépenses sont estimées à 424 000 €. Ce sera tout. Je vous rends la parole, monsieur le maire. Alors, rassurez-vous, je vais sortir. Hein. Mais préalablement, donc, je souhaite donner la parole à la salle pour s'il y a des questions. Et ensuite, nous élirons le président pour ce vote et je sortirai. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Monsieur Managou. Oui, merci. Une très bonne nouvelle à la lecture de ce bilan, c'est que la ville sort progressivement, pas à pas, de l'endettement. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde, un constat que nous avions déjà fait sur le budget précédent. Grâce au travail de Madame Saluki pendant 6 ans sur son mandat, qui du reste, si vous vous targuez en fait d'un superbe excédent sur cet exercice 2020, n'oubliez pas 2 choses. La première, c'est qu'il y a eu 6 années avant vous et que l'année 2020 a été coupée en 2. Avant moi, vous savez, monsieur. Et que Madame Saluki a pris l'extraordinaire opportunité en fait de cession de parts avec Sophia Habitat. Sophia Antipolis Habitat, qui permet aujourd'hui, grâce à la vente de ses actions, de valoriser cet excédent. Donc il faut dire aux citoyens qu'en effet, la gestion antérieure se reflète sur le résultat excédentaire que vous annoncez avec beaucoup de panache. Merci. Alors, monsieur Manago, permettez-moi une fois encore de dire, je ne suis pas ni psychologue ni psychiatre, mais je me demande parfois si vous n'êtes pas un peu schizophrène. Pardonnez-moi. Je vais vous expliquer pourquoi, ce n'est pas une attaque. Vous repartez sur la litanie des compliments? Ah, ben je oui, vous écoute, allez-y. Avec plaisir, vous savez, j'adore vous faire des compliments. Vous les méritez. Monsieur, je me demande si parfois si vous n'êtes pas schizophrène. Pourquoi? Vous nous dites, on doit ce magnifique excédent à l'action magnifique et brillante et exceptionnelle de Madame Saluki, qui était une femme au-dessus du commun. Pourquoi pas? Moi, je veux bien vous croire. Et vous nous dites... Les 15 ça, c'est vous qui le dites, ça. Bah, c'est ce que vous nous dites, finalement. C'est vous qui le dites. Pourquoi pas? Admettons. Donc, elle était exceptionnelle et elle a réussi, parce que vous nous dites, vous nous expliquez que les 15 millions d'euros d'actions qui ont été cédés à Erilia, c'est grâce à elle. On est d'accord? Et c'est une opération fabuleuse. Alors, pourquoi... Bah, permettez-moi de finir, vous, monsieur Manago. Monsieur Manago, laissez-moi finir, après je vous redonne la parole. Oui. Pourquoi donc, si cette opération est fabuleuse, pourquoi votre groupe a voté contre? C'est complètement ahurissant. Vous nous dites à quel point c'est bien, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est exceptionnel, mais en conseil municipal, vous venez vous voter contre. Donc vous votez contre les intérêts de notre ville, c'est ça? Bah oui, parce qu'il y a une opération qui est bonne, qui est louable, qui est favorable à la ville. Elle nous permet d'avoir 15 millions d'euros d'excédent dans les caisses. Vous vous en vantez, pourquoi pas? Admettons, vous vous en vantez. Très bien. Ah, moi, je m'en vais. Alors, permettez-moi de finir, monsieur Manago. Oui. Je vous laisserai parler aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc, si elle est si bonne, cette opération, pourquoi voter contre l'intérêt général? C'est une posture politicienne, c'est une posture contre le maire, c'est une posture contre monsieur Leonetti, la Casa, Erilia. J'ai du mal à comprendre. On ne peut pas dire tout et son contraire en politique. On ne peut pas dire cette opération, elle est bonne, c'est grâce à nous. Remercions Madame Saluki. Et, dans le même temps, dire « cette opération merveilleuse, je vote contre ». Il y a un problème de cohérence, là. Que vous la souteniez et vous disiez « c'est une bonne opération », on peut être d'accord ou pas d'accord, peu importe, mais en tout cas, il y a une cohérence. Que vous me disiez « cette opération, je suis contre », mais nous, ne vous en vantez pas. Mais vous ne pouvez pas dire en même temps « c'est fabuleux, c'est merveilleux, merci Madame Saluki », et en même temps, je viens au conseil municipal, et qu'est-ce que je fais? Je vote contre l'intérêt de mes concitoyens. Mais ce n'est pas cohérent, ça, monsieur Manago. Je pense qu'il y a un moment où il faut pouvoir dire les choses telles qu'on les pense. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est la démocratie et heureusement que ça existe. Ça nous permet à tous de débattre Et parfois même, moi je serai le premier, s'il y a des bonnes idées qui me sont données par la non-majorité, hein, je ne vais même pas dire les opposants, ben je serai le premier à les prendre. Mais vous ne pouvez pas dire des choses qui sont aussi contradictoires que ça. Comment voulez-vous dire à des gens, venez voter à une élection, quand vous êtes aussi caricatural et vous dites dans deux phrases tout et son contraire? Mais quelle image vous donnez de la politique? Comment est-ce que vous pouvez dire à une personne qui en est éloignée des choses aussi contradictoires en deux mots, en 3 minutes ou en 30 secondes? Mais mettez-vous dans la tête de nos concitoyens. Ils regardent ce débat ce soir, enfin ce débat, ce conseil municipal. Il y a un débat entre nous, il y a des échanges et c'est louable, on ne peut que s'en féliciter. Moi je suis content que vous preniez la parole, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je m'en réjouis. Juste un instant et après je vous donne la parole, monsieur Polycarpe, n'ayez pas de crainte. Et vous venez nous dire des choses mais qui ne sont pas cohérentes. Pourquoi alors vous votez contre? Comment vous pouvez voter contre quelque chose d'aussi bien, d'aussi bon et d'aussi merveilleux qu'on devrait à Madame Saluki? C'est votre binôme, non, au département? Donc vous devez avoir une entente parfaite avec elle, ou en tout cas une bonne entente avec elle. Comment vous pouvez nous dire, elle est fabuleuse, elle fait cette chose merveilleuse, mais quand même, quand je viens en conseil municipal, je vote contre? Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça cohérent? Comment vous justifiez ça vis-à-vis des gens qui ont voté pour votre liste, et vous leur dites, moi je vais en conseil municipal, et je vote contre l'intérêt général de la ville parce que j'ai envie d'embêter le maire? Mais mettez-vous à leur place. Où est la logique? Monsieur Polycarpe, vous souhaitez parler? Ce n'est pas une question de logique, monsieur Luciano. C'est la façon dont vous présentez les choses. Ces 19 millions, on dirait que c'est vous qui les sortez de quelque part. C'est ce que vous voulez faire croire aux gens. Cet argent, c'est Mme Saluki, en achetant ses parts, qui les a... Alors pourquoi Mme Saluki? Monsieur Guiel, peut-être alors, ou monsieur Donnet? Pourquoi Mme Saluki? C'est pas monsieur Donnet. Mme Saluki, elle a un héritage, voilà. Comme moi j'ai un héritage. Mme Saluki, si vous me dites les parts de la SH dans ce cas-là, c'est pas Mme Saluki. Puisque qui a créé la Semival? Est-ce que vous savez de quelle année date la Semival? Oui, ça date de quelle année? C'est les années 85. Pas du tout, 1954. Non, la Semival date de 1954. La Semival, à l'époque de 1954, c'est M. Dérigon. Donc dans ce cas-là, ce que nous devons aujourd'hui, nous le devons à M. Dérigon, pas à Mme Saluki. Non, le fait est que je dis que vous présentez les choses à votre avantage. Mais pas du tout. Mais oui, vous le présentez absolument à votre avantage. Vous venez nous dire, M. Manago, pas vous, M. Manago nous dit... Ce qui est là, les 15 millions d'euros, c'est super, c'est grâce à Mme Saluki. Je veux bien l'entendre. Mais alors pourquoi vient-il voter contre? Pourquoi vient-il voter contre alors? Parce que si on vous avait écouté, M. Manago, si on avait suivi votre vote, si on avait eu une brutale prise de conscience et on avait dit, M. Manago, qui est un homme éclairé, nous dit il faut voter contre. On aurait tous voté contre dans cette assemblée. Ben, on n'aurait pas eu les 15 millions d'euros dont vous parlez. Et donc... il y a un problème de logique. Voilà. Et moi, je crois, j'ai peut-être tort, monsieur Polycarpe, peut-être que vous n'êtes pas dans une logique de cohérence. Moi, je crois à la cohérence. Moi, je crois que si on dit blanc, c'est blanc. Et c'est pas pour dire noir le lendemain, vert le jour d'après et jaune dans 3 mois. Voilà. C'est la façon dont je vois les choses. J'ai peut-être tort. Hein. C'est peut-être vous qui avez raison. Mais je présente les choses telles qu'elles sont. On me dit, Madame Saluki, grâce à elle, il y a 15 millions d'euros dans les caisses. Admettons. Dans ce cas-là, voilà. Si vous aviez voté pour, après, vous pouviez dire il y a 15 millions dans les caisses. En votant contre, il ne peut pas y avoir 15 millions d'euros dans les caisses grâce à vous, puisque vous êtes contre ces 15 millions. Non, si elle ne vous avait pas laissé ces 15 millions... Mais elle ne m'a pas laissé 15 millions d'euros, monsieur Polycarpe. Si elle n'avait pas laissé dans les caisses, vous direz... Mais elle n'a pas laissé 15 millions d'euros dans les caisses. Il y a des titres qui sont les titres d'une société qui date de 1954. Oui, elle n'était même pas née, Madame Saluki, en 1954. Ni vous d'ailleurs, ni moi. Alors ne me dites pas... que ce qu'on doit aujourd'hui, c'est à Mme Saluki. Elle n'a pas vendu les titres, Mme Saluki. C'est la façon dont vous présentez les choses. Mais bien sûr, je présente les choses comme elles sont. Elle aurait pu ne pas les laisser. Mais elle ne les a pas laissées, monsieur Polycarpe. Elle n'a pas laissé d'argent. Il y a des parts qui ont été vendues. Mais ces parts, ce n'est pas Mme Saluki qui les a acquises. Ces parts, elles existaient déjà à l'époque de M. Gumiel, elles existaient à l'époque de M. Ribeiro, elles existaient à l'époque de M. Bongiovanni, elles existaient à l'époque de M. Donnet et elles existaient à l'époque de M. Dérigon. Ce n'est pas Mme Saluki qui les a sorties de son chapeau un matin, ces parts, elle ne les a pas créées. Donc ce n'est pas elle qui nous laisse quelque chose. Dans ce cas-là, moi je veux bien qu'on me dise, M. Dérigon, dans sa sagesse, en 1954, a créé la Semival et c'est son héritage dont on profite aujourd'hui. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi Mme Saluki? Mme Saluki, elle arrive en bout de chaîne et elle ne fait pas l'opération. Donc ne me dites pas que c'est grâce à Mme Saluki qu'on les a. Si on a cette mairie sur la tête, c'est grâce à Madame Saluki aussi, oui, elle aurait pu la détruire, c'est vrai. Mais c'est Pierre Donnet qui l'a fait construire. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord, il a raison. L'opération, c'est votre droit de ne pas être d'accord avec moi, mais il ne faut pas dire n'importe quoi aux gens. On peut parler, non, on ne va pas dire n'importe quoi. Vous savez bien que si nous sommes là, c'est que nous ne disons pas n'importe quoi. Ah bon, pourquoi? Ah oui. Pourquoi? L'opération, vous confondez, quoi, hein. Ce qui m'étonne, c'est que vous confondiez deux choses, monsieur Luciano. Oui. Je confonds. Ouais. Vous confondez le principe du vote contre et le principe de l'attribution de cet excédent. C'est deux choses complètement différentes. Mais si tout le monde avait voté contre, il n'y aurait pas eu d'excédent. Donc, mais nous aurions toujours ces parts valorisées, ces parts valorisées qui ont été valorisées dans le cadre de la fusion. Et la fusion est une opération qui s'était faite lors du mandat de Mme Saluki, qu'elle a menée. Et l'opération ne s'est pas faite lors du temps de Mme Saluki. Qu'est-ce que vous racontez? L'opération, elle s'est faite au mois d'avril 2021. Alors, je veux bien que Mme Saluki, elle soit omnisciente et qu'elle puisse voyager dans le temps, peut-être. La CSH n'existe pas. L'opération avec Erilia, elle a été négociée par moi-même, par Jean Leonetti et par Madame Nazika. Alors, on était trois à négocier cette opération. Avec je n'ai pas vu Madame Saluki. Alors, elle était peut-être cachée sous la table, je ne sais pas, mais nous ne l'avons pas vue. Donc, cette opération, ce n'est pas Madame Saluki qui l'a faite. Cette opération, c'est Jean Leonetti, c'est Madame Nazika, c'est moi-même, avec Erilia. Et s'il y a des parts de la société qui ont été cédées, c'est tout simplement le fruit d'un héritage qui remonte à plusieurs décennies, en l'occurrence 1954, pas 1985 ou 1990 comme vous le disiez, la Semival c'est 1954, donc ça veut dire qu'on a des décennies, on bénéficie du fruit de décennies de travail, des différents maires et de nos concitoyens au fil des années. Mais pourquoi vouloir attribuer ce succès entre guillemets à Madame Saluki alors qu'elle n'y est pour rien ? Elle n'y est pour rien. On attribue, pas un succès, on attribue simplement la fusion de la Sacema et la Semival en même temps pour constituer la SAH lors du mandat de Mme Saluki. Ces actions ont été valorisées sur une certaine base qui a été négociée à cette époque-là. Vous n'étiez même pas encore là vous-même. Et c'est aujourd'hui, grâce à la négociation bonne ou mauvaise, vous l'avez faite avec la ville d'Antibes et la Casa, qui a donné lieu donc au contrat Erilia, qui aujourd'hui valorise ces actions de 15 millions, qui vous permet ce soir de jouir de ces presque 13 millions d'excédents. C'est tout ce que nous disons, rien de plus. Et il faut que les choses soient claires pour nos citoyens. Quant au fait d'être pour ou contre la cession de parts, ça c'est un autre débat. C'est deux choses complètement différentes. Absolument pas, monsieur Manago. Vous dites qu'il y a dans les caisses 15 millions d'euros grâce à nous. Il n'y a pas 15 millions d'euros grâce à vous, puisque vous, vous êtes contre. Donc si on vous avait écouté, il n'y aurait jamais eu ces 15 millions d'euros dans les caisses. Mais c'est sûrement pas grâce à vous non plus de ce fait-là, alors si on va chercher... Dans tous les cas, vous n'avez été en fait que l'objet d'une négociation dans un groupe pour valoriser ça à 15 millions. On ne les aurait pas vendus. Si moi je ne l'avais pas fait, on ne les aurait pas vendus. Donc simplement dites les choses clairement sur cet excédent. Ça s'arrête là. Ne vous dites pas on a fait une année exceptionnelle. C'est faux. Vous n'avez pas fait une exceptionnelle en 6 mois, monsieur Luciano. Vous vous targuez bien, vous, d'avoir fait une année exceptionnelle lorsque vous récupérez 2,6 millions du budget assainissement en disant il y a des excédents. Bien évidemment. La compétence légale transfert et on garde le budget assainissement et on, gagne, et on a 2,6 millions en caisse. Ce n'est pas une opération exceptionnelle. C'est justement un jeu d'écriture comptable, ça, ce que vous avez fait là. Ce n'est même pas une opération. Nous, au moins, il y a une vraie opération qui s'est faite, une opération économique qui existe et qui fait qu'on va évidemment pouvoir... De la même manière que l'opération économique s'est faite avec une forte valorisation des actions lorsqu'il y a eu la fusion de la Sacema et les Semival pour former la SAH. Et ça, ça a été fait sous le précédent mandat. Désolé, ce que vous dites là n'est pas cohérent, je vous le redis. Pourquoi ? Parce que... Après, vous pouvez dire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez. Ce qui donne la valeur des titres, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait... Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette opération qui a été faite ? Parce qu'il y a eu la loi Elan, qui nous a obligés à réaliser, qui nous a... La loi Elan proposait deux options, vous en avez choisi une avec la Casa. Et on a choisi celle qui est la plus intéressante, puisqu'elle permet, avec les mêmes prérogatives que précédemment, d'avoir 15 millions d'euros dans les caisses de la ville. Et j'estime que c'est de la bonne gestion. C'était votre choix, parce que vous étiez en poste. Bien sûr, si je n'avais pas été en poste, je n'aurais pas pu le faire, ça c'est sûr. Voilà. Monsieur Avril ? Monsieur Luciano, mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, moi je vais rebondir sur effectivement ce que disait monsieur Polycarpe. Vous vous attribuez le mérite donc des 13 millions, comme quoi c'est grâce à votre travail. Voilà, c'est grâce au vôtre, pardonnez-moi. Ça c'est une chose, c'est le débat de fond, c'est pas très grave. Ce qui me gêne vraiment, monsieur Luciano, c'est que vous vous permettiez de traiter mon collègue, de schizophrène. Bah si. Voilà. Quand on dit une chose et son contraire, si, justement, c'est ce qui me gêne. Laissez-moi finir. Il déposera plainte contre moi s'il estime qu'il a été victime. La schizophrénie, monsieur, oui, c'est une maladie. Donc vous n'avez pas traité mon collègue de schizophrène. Voilà. Alors, monsieur Avril. Oui, mais vous me laissez finir, monsieur. Vous me laissez finir. Monsieur Avril, votre collègue, il est assez grand pour se défendre. Oui, mais moi, vous m'insupportez à insulter les gens. On peut très bien débattre. Je n'insulte pas. On peut très bien ne pas être d'accord, mais sans s'insulter, monsieur. Mais je ne vous insulte pas. Et ça, vous avez du mal avec ça. L'arrogance et le mépris qui vous caractérisent m'insupportent. Moi, j'ai du mal avec votre arrogance. Je vous le dis en face, ça m'insupporte. Mais moi aussi, vous m'insupportez, monsieur, parce que vous êtes de mauvaise foi. Ah, je suis de mauvaise foi. Et qui est-ce qui traite de schizophrène, là ? C'est moi. Ben alors, et vous vous permettez, vous trouvez ça normal qu'un maire d'une commune traite un administré de schizophrène ? Pour vous, c'est une normalité ? Je ne traite pas un administré de schizophrène. Je traite une personne qui est candidate à une élection et qui est élue. Mais on s'en fout de l'élection. Là, on est en conseil municipal, monsieur le maire. On est en conseil municipal. En conseil municipal, je traite quelqu'un. On n'a pas parlé de l'élection départementale. Monsieur Avril, je traite quelqu'un qui vient dire des choses qui sont... Alors, je ne le traite pas, lui, de schizophrène. Je traite ses propos de schizophrénique. Vous préférez ? Ces propos sont schizophréniques. Arrêtez vos manières, parce que franchement, moi, vous ne me plaisez pas du tout dans votre arrogance, votre suffisance. Mais monsieur Avril, c'est vraiment insupportable. Je vous le dis, c'est insupportable de travailler avec vous. Vous détournez les conversations, vous détournez le fond, vous ne répondez jamais vraiment, et vous vous permettez de... reformuler. La dernière fois, c'était burlesque, pathétique, mais c'est bon, c'est vous qui êtes pathétique. C'est vous qui êtes pathétique, monsieur Avril. Monsieur Avril. Mais ça me fait du bien, monsieur. J'avais besoin de vous dire parce que ça fait un moment que je vous subis. Je sais. Et jusqu'à maintenant, je voulais me contenir, mais là, vraiment, c'est insupportable. Monsieur Avril, vous le subissez parce que vous avez lu des bêtises une fois et que je vous ai dit, excusez-moi, ce que vous dites est une bêtise, puisque vous parliez d'une caméra qui n'existait pas. Mais là, c'est pas du tout. Vous détournez encore les propos. C'est votre droit de m'en vouloir. Vous avez la faculté de détourner les choses, monsieur. Non, pas du tout. J'ai la faculté de dire la vérité. Non, non, non. Quelle caméra ? La caméra nomade, c'est vous qui en avez parlé. Vous parliez d'une caméra au chemin des Persuades qui n'existait pas. Vous ne connaissez pas vos sujets et vous venez dire n'importe quoi. Et lorsqu'on vous dit, monsieur, vous vous êtes trompé et vous le prenez mal. J'en suis désolé. Mais quand vous dites des choses qui sont fausses, pardonnez-moi, mais je suis en droit de vous dire que ce que vous dites est faux. Et que cela vous plaise ou non, je suis en droit de vous dire que c'est faux. Mais vous êtes en droit de me dire que ce que je dis est faux. Mais ça ne me gêne pas, on est là pour échanger. Mais d'insulter les gens, ça me gêne. Mais je ne vous insulte pas. Je vous le dis. Je vous ai insulté. D'insulter M. Manago, ça me gêne. Ah bon, d'une part, je ne l'ai pas insulté. Mais lui ou quelqu'un d'autre, comme vous parliez de Mme Cantoni, ça m'offusque aussi. Je n'ai pas parlé de Mme Cantoni. Ça ne me plaît pas. Vous pouvez très bien vous adresser, parce qu'on vient ici, on ne vient pas pour se faire mépriser, insulter. Mais je ne méprise personne. Mais par contre, je pense que quand on veut être respecté, il faut soi-même respecter les autres. Ah oui, voilà. Vous allez vous mettre en victime maintenant ? C'est quoi ? C'est la démarche ? Vous vous mettez en victime maintenant, M. Luciano ? Vous voulez en venir où ? Pardonnez-moi, en quoi je vous ai manqué de respect pour me traiter de schizophrène ? Pardonnez-moi, mais... Vos propos sont schizophréniques, Monsieur Manago. Vos propos sont schizophréniques. Absolument pas, mais vous le savez très bien. Il y a 15 millions d'euros dans les caisses grâce à nous, mais je vote contre le fait de vendre pour avoir ces 15 millions. Excusez-moi, c'est de la schizophrénie. Alors vous n'êtes peut-être pas... Heureusement d'ailleurs, vous n'êtes pas schizophrène, vous personnellement, mais les propos que vous tenez relèvent de la schizophrénie. Ils sont complètement incohérents. Et je pense que si vous aviez plus d'égards pour... Excusez-moi juste un instant et je vous laisserai parler aussi longtemps que vous le souhaitez. Je pense que si vous aviez davantage d'égards pour cette assemblée et pour vos électeurs, je pense que vous diriez des choses qui sont vraies et pas des choses qui sont incohérentes. Voilà. Donc après, que M. Avril souhaite vous défendre, c'est son droit. Maintenant, je pense qu'on est suffisamment grand pour discuter de façon peut-être parfois un peu franche et un peu directe, sans qu'il y ait besoin d'avocats ou de plaider par procureur à droite à gauche. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous sur certains points, on est d'accord. Sur certains points, on n'est pas d'accord. On s'exprime avec le verbe peut-être un peu aussi bien vous que moi. Je ne pense pas que M. Avril ait besoin d'intervenir dans des échanges qui sont des échanges entre vous et moi. Bon, si ça lui fait plaisir, pourquoi pas ? Mais ça n'apporte rien au débat. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous faire défendre. Je ne vous agresse pas. Je ne pense pas avoir le verbe « haut » ni vous manquer de respect en quoi que ce soit. J'ai simplement évoqué le fait que vous ne compreniez pas ce que j'ai en train de vous exposer. Et vous ne comprenez pas ces deux notions-là. J'en suis désolé, mais ça ne mérite pas, disons, un caractère schizophrène parce que vous ne comprenez pas le sens de mes propos. Il y a deux versions. Si vos propos ne sont pas cohérents, pardonnez-moi de ne pas les comprendre. Ben oui. Quand ce n'est pas cohérent, c'est difficile à comprendre, par définition. Faites preuve d'écoute, alors, monsieur Luciano. Mais je vous écoute. Mais quand vous me dites blanc et noir dans la même phrase, je vous avoue que j'ai du mal. Voilà. Ce que vous comprenez. Oui. Voilà, c'est une logique qui m'échappe, si vous préférez. Il y en a beaucoup d'autres qui vous échappent, je pense. Bah, j'ai pas votre génie, monsieur Madago, c'est évident. Voilà. Et moi, pas votre bagou. Ah. Alors, est-ce qu'il y a encore des propos désobligeants? Madame Langlais. Je voulais juste, bonsoir à tous, rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on vient tous au conseil municipal à assister à un échange, à un débat, à des propos qui ne sont pas toujours en accord. Et je voudrais demander à M. Armando d'arrêter de ricaner. C'est très désagréable qu'à chaque fois que quelqu'un de l'opposition, que ce soit notre groupe ou l'autre groupe, que vous ricaniez. On est là pour se respecter. Non, non, je vous observe depuis longtemps. Et ce n'est pas qu'à ce conseil municipal. Il y a juste, là, j'en ai un peu... Ça me contrarie énormément parce que j'estime qu'on se doit tous le respect. D'accord? Et je voudrais vous demander, avec le respect que je vous dois, d'arrêter de ricaner, de rigoler. C'est franchement insupportable, d'autant plus que les autres adjoints ne le font pas. Merci. Bon, c'est bon, vous avez suivi votre feuille de route, on est d'accord? Vous avez pu faire vos petites critiques qui avaient été préparées à l'avance, c'est bien. Alors je vous propose maintenant, par respect pour nos concitoyens, de revenir à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Est-ce qu'il y a d'autres prises de position ? Non pas sur les personnalités que l'on apprécie ou pas des uns ou des autres, mais sur le fond, hein, c'est-à-dire ce qui intéresse nos concitoyens. Pas de prise de position, donc je vais vous demander d'élire, pour assurer la présidence, puisque je dois sortir, Madame l'adjointe aux finances, qui est d'accord, enfin qui n'est pas d'accord, qui s'abstient, voilà. Et je lui cède donc la présidence pour le vote. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2020 du budget principal, conformément au document qui vous est annexé, arrêter pour le budget principal les résultats 2020, pour un montant de résultat de clôture 2020 de 12 904 145,22 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Excusez-moi, monsieur Dominici. Non. Oui, oui, je ne me suis ni abstenue ni votée contre. Effectivement, je vote pour. Est-ce que le compte administratif a été approuvé, Madame la Présidente? Oui, le compte administratif a été voté. Merci. Je vous en prie. Ordre du jour numéro 11. Une fois n'est pas coutume, la parole à Madame l'adjointe aux finances. Alors, délibération numéro 11, affectation du résultat du compte administratif 2020. Le Code général des collectivités territoriales précise que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, dégagé au titre de l'exercice clos, doit être affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif. Les résultats de l'exercice 2020 du budget principal s'élèvent à 7 466 147,65 euros pour l'investissement et 5 437 997,57 pour le fonctionnement. Cette somme de 5 437 997,57 € est affectée en totalité à la section de fonctionnement du budget 2021. Toutefois, cette somme sera presque intégralement reversée au financement de la section d'investissement, tel que prévu au budget primitif 2021. Il est donc proposé au Conseil municipal d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 à hauteur de 5 437 997,57 € en section de fonctionnement au budget principal 2021. Je vous remercie, Madame Bertagna. Est-ce qu'il y a des prises d'opposition? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ordre du jour numéro 12, et cette fois, je donne la parole à Madame Lanza, l'adjointe au commerce. Alors, tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable sur 2022. Par délibération en date du 11 mai 2011, le Conseil municipal a adopté le principe de mise en œuvre de la taxe locale sur la publicité extérieure. Les tarifs applicables sur la commune pour l'année 2022 doivent être fixés par délibération avant le 1er juillet 2021. Conformément à l'article L2333-12 du Code général des collectivités territoriales, les tarifs de la TLPE sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année N-2. Le taux de variation de l'indice des prix à consommation hors tabac en France est de 0,0% pour 2020, source de l'INSEE. En conséquence, les tarifs de TLPE n'évoluent pas en 2022. Les tarifs actuels sont applicables, soit les suivants. Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques. 16,20 € le mètre carré pour les superficies ou égales à moins 50 mètres carrés. 32,40 € le mètre carré pour les superficies supérieures à 50 mètres carrés. Dispositifs publicitaires et préenseignes numériques. 48,60 € le mètre carré pour les superficies égales ou inférieures à 50 mètres carrés. 97,20 € le mètre carré pour les superficies supérieures à 50 mètres carrés. Les enseignes. 16,20 € le mètre carré pour les superficies supérieure à 7 mètres carrés et égale ou inférieure à 12 mètres carrés, 32,40 € le mètre carré pour les superficies supérieures à 12 mètres carrés et égale ou inférieure à 50 mètres carrés, 64,80 € pour les superficies supérieures à 50 mètres carrés. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir fixer les tarifs de la TLPE pour 2022, tenant compte de la revalorisation automatique prévue à l'article L2333-12 du CGCT, soit 0%, et donc de maintenir inchangés ces tarifs comme suit. Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques. 16,20 € le mètre carré pour les superficies égales ou inférieures à 50 mètres carrés. 32,40 € le mètre carré pour les superficies supérieures à 50 mètres carrés. Les dispositifs publicitaires et préenseignes numériques. 48,60 € le mètre carré pour les superficies égales ou inférieures à 50 mètres carrés. 97,20 € le mètre carré pour les superficies supérieures à 50 mètres carrés. Les enseignes. 16,20 € le mètre carré pour les superficies supérieure à 7 mètres carrés et égale ou inférieure à 12 mètres carrés, 32,40 € le mètre carré pour les superficies supérieures à 12 mètres carrés et égale ou inférieure à 50 mètres carrés, et 64,80 € pour les superficies supérieures à 50 mètres carrés, et d'indiquer que les recettes correspondantes seront versées au budget communal 2022. Je vous remercie, Madame Lanza. Y a-t-il des prises de parole sur ces points? Non. On place au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est approuvée. Ordre du jour numéro 13, le contrat de délégation de service public pour la restauration collective, présentation du rapport d'activité pour l'année 2019-2020. Je donne la parole à Madame l'adjointe à l'éducation. Merci Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs. Le contrat de délégation de service public pour l'exploitation du service de restauration collective qui fait suite à la CCSPL du 3 mai 2021 qui a étudié le rapport d'activité 2019-2020 que vous trouverez en annexe. Le service de restauration, donc la Sodexo, a en charge la restauration collective de la ville, à savoir les scolaires, écoles maternelles et élémentaires, les enfants des accueils de loisirs sans hébergement, les adultes des écoles, accueils de loisirs et centres de vacances, les enfants des structures petite enfance, ainsi que la fourniture des repas pour les services du CCAS, avec les repas servis par le restaurant Lou Miejou et le portage des repas à domicile. La production des repas est réalisée depuis la cuisine centrale de Vallauris Golfe-Juan. C'est un contrat de délégation qui a pris effet le 1er septembre 2018 pour une durée de 7 ans, sa date d'échéance étant fixée au 31 août 2025. L'effet marquant de ce bilan, c'est bien sûr la crise sanitaire à compter de mars 2020 qui a du coup impacté l'exploitation avec la fermeture du foyer Lou Miejou sur toute la durée du confinement et la fermeture de la cuisine centrale sur les 3 mois de confinement total. La création d'une légumerie qui a été faite aussi en 2019-2020. On peut se rendre compte d'un déficit sur le compte rendu financier qui est notamment dû à la crise sanitaire et un montant des impayés qui a fortement baissé, avec un coût du repas unitaire pour les scolaires qui reste identique, un prix facturé aux familles identique. Et vous trouverez l'ensemble du rapport en annexe. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-3 et L1413-1, R1411-7 sur les délégations de services publics et la commission consultative des services publics locaux, vu le Code de la commande publique et notamment les articles L31331-5 et R3131-2 et R3131-4 relatifs au rapport d'information à l'autorité conséquente qui doivent produire les concessionnaires, considérant le contrat passé avec la Sodexo attribué le 23 juillet 2018, enregistré en sous-préfecture de Grasse le 28 août 2018 et notifié le 30 août 2018 pour l'exploitation du service de restauration collective de la commune et du CCAS, considérant l'obligation de présenter les rapports d'activité des délégataires en commission consultative des services publics locaux, puis en conseil municipal les plus proches de la date de remise du rapport, considérant que le rapport doit être examiné par la commission consultative des services publics locaux, article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales et être présenté en conseil municipal afin que ce dernier en prenne acte. Considérant le rapport d'exploitation en date du 19 janvier 2021 présenté par le délégataire et couvrant selon les termes du contrat la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, considérant le procès verbal de la commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie le 3 mai 2021 pour examiner le rapport du délégataire. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du rapport annuel d'activité 2019-2020 dans la société Sodexo, délégataire de la ville en charge de l'exploitation du service de restauration collective tel qu'annexé à la présente délibération. Le Conseil... Je rends la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame l'adjointe. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir sur ce rapport? Non. Donc c'est une prise d'acte. Hein. Pas de... Non. Très bien. Bah écoutez, il est pris acte du rapport qui vient d'être très brièvement présenté. Délibération numéro 14, donc en l'absence de l'adjoint aux travaux, je vais présenter ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets pour l'année 2019. Donc la communauté d'agglomération, vous le savez, assure la compétence en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers et assimilés dans l'ensemble des communes, soit environ 180 000 habitants. Ces opérations de traitement et de valorisation des déchets sont gérées par le syndicat Univalom, que vous connaissez tous. Depuis le 1er janvier 2018, les ambassadeurs du tri ainsi que 7 déchetteries du territoire ont été transférés à Univalom. conformément à la loi, dite loi Barnier du 2 février 1995 et à son décret d'application. Un rapport est établi chaque année par la Casa et nous présentons ce rapport, qui a déjà été présenté dans la commission déchets de la Casa en conseil municipal. Les faits marquants, je vais y venir très brièvement, déploiement d'outils informatiques et de tableaux de bord en lien avec la certification ISO 9001, une amélioration du maillage des points d'apport volontaires sur l'ensemble des communes et une collaboration entre Univalom et Capazur sur la prévention des déchets. Les objectifs du plan déchets 2015-2020 portaient principalement sur une diminution des déchets ménagers et assimilés. L'objectif n'est pas atteint, on constate pour cette période une augmentation de 9%. Deuxièmement, objectif plafond maximum de 260 kg d'ordures ménagères par habitant. Là, il y a une diminution de 9,1% depuis 2010, mais l'objectif n'est pas atteint en 2020. Troisièmement, un stockage limité à 26% en 2020. Là, l'objectif a été atteint depuis 2010. Alors, quelques chiffres qui sont marquants. 180 414 tonnes de déchets ménagers et assimilés, 1007 kg par habitant, soit une augmentation de 2,46%. 83 255 tonnes de déchets de routine, ordures ménagères résiduelles, soit 464 kg par habitant, baisse de 2,46%. 16 155 tonnes pour la collecte sélective, soit 90 kg par habitant. 647 tonnes de vêtements, 4 kg par habitant, soit une augmentation de 4,2%. 15 094 tonnes d'encombrants, rendez-vous et déchetterie, moins 15 kg par habitant. 73 476 tonnes pour les déchetteries, 410 kg par habitant. 30 409 tonnes de déchets verts totaux pour l'année. Et 9 022 tonnes de gravats propres, soit 50 kg par habitant, une augmentation de 54,15%. Quid du devenir des déchets ménagers assimilés en 2019 ? Une valorisation en termes de recyclage pour 84 297 tonnes, une valorisation énergétique à hauteur de 82 731 tonnes, une valorisation CO2 énergétique pour 7 348 tonnes et un centre de stockage pour 6 038 tonnes. En ce qui concerne le coût du service en 2019, des dépenses d'investissement à hauteur de 7 796 748,45 €, soit une augmentation de 94,75%, et des dépenses de fonctionnement à hauteur de 32 785 624 €, soit une baisse de 2,7%. S'agissant du coût de ce service, à la charge de la collectivité, 182,85 € par habitant. Pour ce qui concerne la contribution des usagers à travers la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 225,56 € par habitant, et un financement de l'investissement à hauteur de 43,48 €. Le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la Casa est resté constant en 2019 à 9,5%. Il a été baissé, vous le savez, de 7% cette année, puisqu'il y a eu au niveau de la Casa la création de la taxe GEMAPI et que la baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a compensé la création de cette taxe. Ce n'est pas au rapport, puisqu'évidemment je vous parle de 2021, mais c'est pour faire un éclairage sur ce qu'on est en train d'évoquer. S'agissant à l'époque, donc 2019, des perspectives 2020, une transformation sur le territoire communal des points d'apport volontaires qui sont équipés d'ascenseurs à bac afin d'augmenter leur capacité, 2500 litres au départ à 4000 voire 5000 litres dans le meilleur des cas. Une amélioration du service des encombrants avec le développement d'une application mobile, une diminution des fréquences de collecte des ordures ménagères sur les communes et l'optimisation des circuits et corrélativement une augmentation de la fréquence de la collecte du tri 2 jours par semaine, c'est le fameux bac jaune qui sort toujours 2 fois, donc vous avez peut-être vu les annonces qui ont été faites en 2021. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non. Alors il vous est demandé de bien vouloir prendre acte de ce rapport annuel qui concerne 2019, je le répète, qui a été déjà passé en séance à la Casa dans le cadre de la commission des déchets et que vous avez annexé à la présente délibération. Pas de questions, personne ne s'oppose à la prise d'acte, c'est parfait. Ordre du jour numéro 15, et je donne tout de suite la parole à Madame Rioton pour la convention entre le département des Alpes-Maritimes et la commune relativement au fonctionnement du RAM. Merci Monsieur le maire. Une convention entre la commune de Vallauris Golfe-Juan et le conseil départemental des Alpes-Maritimes ayant pour objet le fonctionnement du relais assistante maternelle est renouvelée chaque année civile. Cette convention définit les missions du relais assistante maternelle qui est en charge de développer des actions de conseil, d'information et d'échange en direction des parents, des assistants maternels et des différentes associations représentatives. Le RAM est chargé notamment de favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents, de renseigner les parents dans leur démarche administrative, de les informer, de promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels, de constituer des points de documentation accessibles à tous, de participer et de proposer des animations dans le secteur petite enfance. Pour la réalisation de ces missions, le Conseil départemental verse une fois par an une participation financière pour la durée de mise en œuvre de la présente convention qui s'élève à 6 165 euros sur la base d'un document fourni annuellement par la Caisse d'allocation familiale et équivalente à 10% du prix plafond de la prestation de service relais assistante maternelle. Le Conseil départemental s'engage à effectuer des visites régulières dans le relais pour en apprécier le fonctionnement. Il s'engage à mettre à disposition du relais la liste des assistantes maternelles de la commune. La présente convention prend effet à compter de sa notification et prendra fin au 31 décembre 2021. Elle pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux parties. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative au fonctionnement du RAM avec le Conseil départemental, tel que selon le projet annexé à la présente. Dire que les recettes y afférentes seront inscrites au budget communal 2021. Je vous remercie, Madame Rioton. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Délibération numéro 16, l'organisation du Festival des artistes. Et je donne la parole à M. Fonck. Merci, Monsieur le maire. La délibération numéro 16 concerne l'organisation du Festival des artistes. Dans le cadre de l'animation et des activités estivales, la commune de Vallauris souhaite créer une synergie entre les centralités de Golfe-Juan, station balnéaire attirant de nombreuses familles et touristes, pour ses activités nautiques et celle de Vallauris, réputée pour ses céramistes et ses ateliers à l'attractivité plus ciblée sur les musées et la culture. Afin de promouvoir cet aspect culturel et une attractivité du centre de Vallauris, la commune souhaite mettre en œuvre le Festival des artistes. Cette manifestation a vocation à se tenir chaque année durant la période estivale du 1er juillet au 31 août. Cette exposition sera réalisée dans le cadre de l'organisation du Festival des artistes par la commune en partenariat avec les propriétaires des commerces et des artistes prêteurs. Elle permet d'offrir une vitrine au patrimoine céramique, de la culture et une forte exposition aux différents artistes de Vallauris à destination du public plus balnéaire de Golfe-Juan et les inviter à la découverte des différents aspects du patrimoine communal. Ainsi, différents artistes de la commune prêteront des œuvres à la ville, que celle-ci exposera ensuite dans différents commerces et sites de Golfe-Juan. C'est à ce titre que différentes conventions vont être passées entre la ville et les artistes céramistes prêteurs, mais également avec les commerces et les sites amenés à être des lieux d'exposition de ces œuvres. Les commerces sélectionnés selon différents critères, localisation, visibilité de leur vitrine, mettront à disposition de la ville de Vallauris-Golfe-Juan de façon totalement gratuite un espace dédié visible depuis l'extérieur du local et en vitrine afin de permettre à la commune d'y exposer une œuvre d'un artiste de la commune. De son côté, l'artiste prêtera l'œuvre de façon totalement gratuite également, les frais de transport et d'installation demeurant à sa charge. La commune procédera à l'aménagement de l'espace de façon à permettre l'installation de l'œuvre. Plots, cartels, ces aménagements seront provisoires et uniquement mis en place dans le cadre de l'exposition et restitués par la suite à la commune. La ville prendra en charge la promotion de la manifestation, communication, ainsi que les frais éventuels d'assurance nécessaires. Il est donc demandé ce soir au Conseil municipal d'approuver la mise en œuvre du Festival des artistes qui se tiendra du 1er juillet au 31 août. D'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions type telles qu'annexées à la présente délibération avec les prêteurs, les commerces, ainsi que celles qui seront établies avec les gestionnaires des sites d'exposition partenaires, le port Camille-Rayon, le Vieux-Port, l'Office du tourisme. D'autoriser Monsieur le maire à engager toutes les démarches nécessaires et signer tous les documents relatifs à ce festival, ainsi que tous les avenants ou conventions qui s'avéreraient nécessaires. et de dire que les dépenses en résultant seront inscrites aux budgets communaux correspondants. Je rends la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie, Monsieur le Premier adjoint. Juste deux mots en complément de ce qui a été dit. Je trouve que c'est une très très belle opération. D'ailleurs, je remercie Monsieur Thierry et Madame Sébar, conseillers municipaux, qui se sont occupés, qui ont eu l'idée déjà de longue date de cette opération, puisqu'ils avaient déjà réfléchi à ça dans le passé. Je remercie évidemment chacun des commerces et davantage encore même des artistes qui s'associent à cette opération magnifique, les ports bien sûr. L'idée, comme l'a très bien dit Monsieur Fonck, c'est évidemment de faire entrer encore toujours plus et mieux en résonance nos deux centralités. On a la chance d'avoir deux territoires dans un même territoire, deux territoires dans un territoire qui sont extraordinaires, qui ont chacun des particularités. La céramique de Vallauris, qui est mondialement connue, et le caractère balnéaire de Golfe-Juan, qui est tout aussi fabuleux, avec ses ports, avec son confort, son agrément de vie. Et l'idée vraiment de mettre en relation ces deux entités, ce n'est pas simplement une volonté, comment dirais-je, une volonté de communication, c'est vraiment l'idée, c'est de faire avancer sur ces deux pieds notre commune. C'est une chance exceptionnelle, il n'y a pas tellement de territoires dans le monde qui peuvent jouir de ce caractère, bicéphale finalement, de cette complémentarité. Et là, on a l'occasion de faire briller, de mettre ensemble ce qu'on a de plus fabuleux quelque part dans notre commune, nos artistes, cette tradition de la céramique qui nous a tous baignés pendant des décennies, soit nous-mêmes, soit nos ancêtres, soit les gens de cette ville qui nous font vivre, et cet aspect de Golfe-Juan qui est extrêmement touristique. L'idée, c'est évidemment de favoriser toujours les déplacements entre nos deux centralités. Les œuvres descendent avec les artistes, mais il y aura aussi ces touristes, ces personnes qui sont à Golfe-Juan et qui vont monter à Vallauris, qui vont voir ces œuvres et qui vont aller attirés par la beauté qu'ils ont pu, les beautés plutôt qu'ils ont pu observer dans les différents points, qui vont pouvoir ensuite aller chez les artistes et acheter, regarder, consommer dans notre ville de Vallauris. Voilà, il y a bien entendu un projet culturel qui est un projet magnifique, un projet de partage, un projet de mise en relation, mais il y a aussi, bien entendu, et ça on y est sensible aussi, un projet de développement économique, d'utiliser le tourisme, d'utiliser les qualités de notre ville pour la faire briller d'une part, et d'autre part, bien sûr, pour la faire fonctionner, pour que les commerces marchent, pour que l'activité se développe. Voilà. Je pense que ça, c'était important. Donc, je remercie nos deux conseillers municipaux qui ont travaillé sur ce point, tout le monde, toutes les parties prenantes à cette belle opération, les services, et chacun et chacune de ceux qui y participent et qui font que, grâce à ça, eh bien, on va encore faire rayonner Vallauris un peu plus. On va encore amener une pierre à cet édifice, qui est un très bel édifice, pour la ville, pour son attractivité, pour son image. Ce sera également un point qui participera de cette plateforme, puisqu'on est vraiment en train d'avancer sur ces points-là, et je pense que ça méritait d'être souligné. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Non? Alors, je vous demande de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. Délibération numéro 17, je donne la parole à Monsieur l'adjoint à la culture. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, fut la délibération numéro DE-2009-0026, en date du 29 septembre 2020, autorisant l'organisation d'une exposition estivale au musée Magnelli, musée de la céramique, intitulée « Vallauris la ville atelier ». Vu la délibération DE-2104-0021 en date du 19 avril 2021, autorisant le musée Magnelli, musée de la céramique, à développer sa programmation culturelle en proposant de nouvelles actions, telles que le projet Danse in situ. Considérant la volonté du musée municipal de diversifier les offres afin de s'adresser à différents publics et de faire découvrir les œuvres des collections permanentes et des expositions temporaires sous un autre angle, considérant que le projet de danse contemporaine, Danse in situ, en lien avec l'exposition d'été Vallauris la ville atelier, qui se déroulera du 15 au 18 juillet 2021, s'inscrit dans cet objectif. Considérant que ce projet est mené en partenariat avec l'association Virgule et Pointillé, compagnie Marie-Hélène Desmaris, et qu'il sera mis en œuvre sous plusieurs formes, visites guidées de l'exposition, ateliers de pratique artistique, performances, danse in situ et des ateliers de présentation de travail de restitution. Considérant que ce projet s'inscrit dans la volonté municipale de développer plus avant l'EAC, l'éducation artistique et culturelle. Considérant que ce projet favorise la mixité des publics en s'adressant aux enfants des ALSH de la ville, aux familles des associations à caractère social de la ville, aux particuliers. Considérant que le présent partenariat fait l'objet d'une convention détaillant les obligations de chaque partie, selon le projet annexé à la présente délibération. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat avec l'association Virgule et pointillé, compagnie Marie-Hélène Desmaris, telle qu'annexée à la présente délibération. Dire que la commune prend en charge le coût de ces interventions, lequel ne saura excéder la somme maximale de 5 000 € TTC, outre les frais de logement des artistes pris en charge par la commune. Dire que les dépenses y afférentes seront inscrites au budget communal 2021. Et d'autre part, je souligne que l'exposition débutera le 3 juillet et non plus le 26 juin, ce qui n'interfère pas dans le projet, mais que l'on peut signaler si nécessaire à la page 1. Je vous remercie, monsieur l'adjoint. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Non. Alors nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité donc pour ce beau projet hein, qui mêle différentes expressions artistiques et culturelles. Délibération numéro 18. La parole à nouveau à monsieur l'adjoint à la culture. Merci monsieur le maire. Chers collègues, vu l'avis favorable émis par l'État à l'acquisition de cette œuvre au travers de la délégation permanente de la Commission scientifique des collections des musées de France du ministère de la Culture. Avis obligatoire au préalable à toute procédure de préemption. Considérant que le musée Magnelli, musée de la céramique, musée municipal, possède une des plus importantes collections publiques d'œuvres d'Alberto Magnelli, pionnier de l'abstraction. Considérant que la ville de Vallauris Golfe-Juan souhaite enrichir ses collections par des œuvres témoignant du passé artistique et culturel de la commune. Considérant que dans cette perspective, la ville de Vallauris Golfe-Juan a acquis, le 17 mars 2021, lors d'une vente aux enchères, par la procédure de préemption, l'œuvre suivante. Alberto Magnelli, composition 1964, feutre sur papier, H 26,2 cm par 32 cm, daté, signé et dédicacé à Jean Ramié, fils de Georges Ramié, fondateur avec son épouse Suzanne Ramié de l'atelier Madoura. Considérant que l'œuvre a été adjudée à 2 400 € hors frais, le coût total d'acquisition frais inclus est de 3 216 €. Considérant que cette œuvre doit être conservée et présentée dans des normes muséales, considérant que la ville de Vallauris Golfe-Juan possède un musée labellisé Musée de France, le musée Magnelli, musée de la céramique, répondant à toutes les normes en vigueur de conservation et de présentation d'œuvres d'art. Considérant que suite à cette acquisition, il convient d'affecter l'œuvre aux collections du musée Magnelli, musée de la céramique, labellisé Musée de France. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de l'acquisition en date du 17 mars 2021 de l'œuvre suivante, Alberto Magnelli, composition 1964, feutre sur papier, hauteur 25,2 cm, largeur 32 cm, daté, signé et dédicacé à Jean Ramié, fils de Georges Ramié, fondateur avec son épouse Suzanne Ramié de l'atelier Madoura. Autorisez monsieur le maire à affecter cette œuvre aux collections du musée Magnelli, musée de la céramique, labellisé Musée de France. Alors j'arrive au bon moment manifestement. Y a-t-il des prises de parole qui sont requises? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, musée Magnelli, donation à la commune de 2 matrices en plâtre, délibération numéro 19. Encore, monsieur Armando. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, vu le courrier en date du 12 avril 2021 de la succession de Jean et Huguette Ramier, souhaitant faire don à la commune de 2 œuvres. Considérant l'intérêt patrimonial du don proposé, constitué des œuvres suivantes. Marc Chagall, sans titre, le chandelier, crayon graphite sur plâtre gravé à la gouge, 1962, d'une valeur de 15 000 €. Marc Chagall attribué à Le chandelier, crayon, graphite sur plâtre, gravé à la gouge, 1962, d'une valeur de 5 000 €. Considérant que ces œuvres sont des matrices en plâtre ayant servi à l'estampage de plaques en terre de Marc Chagall. Considérant que le don n'est grévé ni de conditions ni de charges. Considérant que ce don est constitué d'œuvres ayant été réalisées dans le cadre de la collaboration entre un artiste majeur de la modernité au XXe siècle, Marc Chagall, et l'atelier Madoura de 1952 à 1962. Considérant que la ville de Vallauris Golfe-Juan souhaite enrichir ses collections par des œuvres témoignant du passé artistique et culturel de la commune. Considérant que ces œuvres doivent être conservées et présentées dans des normes muséales. Considérant que la ville de Vallauris Golfe-Juan possède un musée labellisé Musée de France, le musée Magnelli, musée de la céramique, répondant à toutes les normes en vigueur de conservation et de présentation d'œuvres d'art. Considérant que suite à l'acceptation de ce don, il convient également de l'affecter aux collections du musée Magnelli, musée de la céramique, labellisé Musée de France. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à accepter la donation réalisée par la succession de Jean et Huguette Ramié, sans charge ni condition des deux œuvres. Marc Chagall, sans titre, le chandelier, crayon graphite sur plâtre gravé à la gouge, 1962, d'une valeur de 15 000 €. Marc Chagall, attribué, Marc Chagall, le chandelier, crayon graphite sur plâtre gravé à la gouge, 1962, d'une valeur de 5 000 €. Autoriser M. le maire à affecter ses œuvres aux collections du musée Magnelli, musée de la céramique, labellisé Musée de France. Merci, Monsieur l'adjoint. Écoutez, mes chers collègues, si vous m'y autorisez, je me ferai un plaisir, bien sûr, d'accepter ces donations. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage à la succession de Jean Huguette Ramié, hein, qui fait ce beau cadeau à la ville, qui se propose en tout cas de faire ce beau cadeau à la ville. Alors, on a parlé tout à l'heure du geste de M. Pasquali, mais là, il y a un beau geste, hein, de gens qui sont des amoureux de notre ville et qui sont là pour son rayonnement artistique, culturel. Et avec ces deux œuvres qui sont des œuvres d'une importance aussi bien artistique qu'historique et patrimoniale pour notre ville très grande, hein, nous avons de quoi enrichir encore notre fonds et améliorer encore l'image de notre ville. Voilà, donc je tiens à les remercier en notre nom à tous, avant bien entendu de vous donner la parole si vous souhaitez intervenir. Non ? Pas d'intervention ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération numéro 20. Toujours M. Armando qui était bien parti. On le laisse continuer. Merci M. le maire. Chers collègues, vu la délibération numéro DE-2009-0026 en date du 29 septembre 2020, autorisant l'organisation d'une exposition estivale au musée Magnelli, musée de la céramique, intitulée Vallauris la ville-atelier. Considérant que les crédits affectés à cette manifestation prévoit l'impression et l'édition d'un catalogue ainsi qu'un plan de communication. Considérant que le musée Magnelli, musée de la céramique, souhaite promouvoir et valoriser la manifestation au travers de l'édition de tote bags et de marque-pages. Considérant que les différents produits, catalogues, tote bags et marque-pages ainsi édités seront en partie offerts dans le cadre des dons et hommages pour les prêteurs de l'exposition, justificatifs de parution, échanges entre institutions, journalistes dans le cadre de visites de presse, et en partie vendus à la librairie du musée, ainsi que pour les catalogues, diffusés au travers du réseau de librairies de l'éditeur sélectionné, Silvana Editoriale. Considérant qu'un nombre maximum de 100 exemplaires du catalogue, 100 tote bags, 100 marque-pages seront réservés pour ces dons. Considérant qu'il convient d'établir une tarification pour les produits mis en vente. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les tarifs suivants. Catalogue, 30 €. Tote bag, 5 €. Marque-page, 2 €. Accepter que 100 exemplaires du catalogue, 100 tote bag et 100 marque-page soient offerts dans le cadre de dons divers. Dire que les recettes en résultant seront inscrites au budget communaux correspondant. Merci, Monsieur Armando. Y a-t-il des interventions souhaitées ? Non. Bon, bah, vous aurez droit tous à votre sac sur la plage, ça va faire d'un excellent effet. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. La délibération 21, la dernière, je donne sans délai la parole à Monsieur l'adjoint à la jeunesse et au sport, Monsieur Salou. Merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. La direction jeunesse et sport a pour objectif de mettre en œuvre les orientations communales en matière de politique enfance et jeunesse, les 3-17 ans, en s'appuyant sur le projet éducatif local qui s'articule autour des missions sociales, éducatives et culturelles. Par délibération DE-2102-0022, en date du 13 février 2021, le Conseil municipal de la ville de Vallauris a autorisé M. le maire à signer la convention entre la commune et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, portant sur la coopération renforcée en matière de politique jeunesse. Dans ce contexte également est créé un dispositif intitulé « Loisirs citoyens », porté par le service jeunesse et sport et le service prévention de la Casa, dont l'objectif est de permettre à des jeunes de 11-17 ans de s'investir dans une action citoyenne. Par ce dispositif, les jeunes pourront participer à une action citoyenne d'utilité sociale ou environnementale et en échange bénéficier de loisirs et de chèques cadeaux pris en charge par la commune. S'inscrire et s'engager dans une démarche de projet citoyen, développer les notions de travail en équipe, d'adaptabilité du groupe pour répondre à des objectifs communs. Valoriser leur image et par leur participation à cette action citoyenne, il est prévu la mise en œuvre par la ville de 2 sessions par an de ce dispositif. Ces sessions seront programmées pendant les périodes de vacances scolaires ou le mercredi pour un groupe de 8 jeunes au maximum, encadrés par un animateur du service jeunesse et sport et un éducateur du service prévention de la Casa. Le principe retenu est que les participants s'engageront sur une période scindée en 2 temps. Dans un premier temps, ils effectueront une action citoyenne, l'embellissement de leur lieu d'accueil collectif de mineurs. Dans un second temps, ils bénéficieront en contrepartie soit de loisirs, soit de chèques cadeaux pris en charge par la commune. Même si ces derniers regroupent de nombreuses enseignes proposant un large panel d'offres, notamment culturelles, comme l'acquisition de livres ou l'accès à des divers concerts, les projets de loisirs seront néanmoins privilégiés, permettant aux jeunes de vivre une activité collective dont ils auront été acteurs. Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, il est nécessaire d'approuver le principe d'une convention type à établir entre les jeunes participants et la ville comprenant les modalités d'organisation de ces loisirs citoyens, ainsi qu'un règlement intérieur qui liera la commune, le jeune participant et ses représentants légaux. Je vous remets la parole, monsieur le maire. Je vous remercie, monsieur Salou. Est-ce que des personnes souhaitent intervenir? Non? Alors, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour ces échanges de ce soir. Et à très bientôt pour les commissions et les prochains conseils municipaux. Au revoir. J'ai encore le dernier. J'ai bien fini.